cochonne! Lately, you don't feel like yourself, and you kinda hate it. You suppress all of the thoughts in your head and say it's complicated. You hide your pain, but I can see it etched on your face. I know the feeling, swear you're okay, but you're barely breathing. Don't you walk away. There's a fear you're getting lost, the fear you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Thinking about myself, never took time to listen. Couldn't see that you were going through hell. Now you're cold and distant. You say you're fine, but your heart is bleeding. Feed me those signs, but they lost the meaning. I know something is right. See the demons in your eyes. I know you're afraid. I feel you're getting lost. I feel you're trailing off. Feel it in your words when you say there's nothing wrong. There's something so subliminal about the way that your hands shake whenever you talk. You stare into space like you're lost in your thoughts, surrounded by your paper walls. Tell me what's been going on. Oui. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien.
tout ça, ça me fait bander. Could set you free, 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 free. Show you what this world can really be. Here with me, I could set you free, 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 free. Off the pain and misery and let you be. Here with me. Set you free, free, free. Set you free. If your enemy's a road ahead of full prophecy, to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling this war. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes.
stakes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter. Try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever. The beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control. He's locked away inside with the key control by fight or flight. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm there's no legs, it'll kill when I'm desperate. Hola étranger, bienvenue dans ma boutique de potions. Discuter. Bonsoir. When I went to set it by the tree. Bonsoir.
Salut à vous, belle compagnie. Allô? Bonjour. Bonsoir, Truina. Truana. Bonsoir, la vérité. La vérité de Anna. Bonsoir, bonjour. Don't cry. T'es juste jaloux. Exactement. De t'es juste jaloux. Bonsoir. Bienvenue à toi qui regarde ce stream. Bienvenue à toi là-bas là. Et toi là-bas là qui regarde les VOD. Je te vois. Je te vois regarder les VOD. Je te vois dans l'ombre. Je te vois. Dans l'ombre. La transition est pas assez rapide. Yo, salut Xtac! Bienvenue! Eh, vous êtes nombreuses et nombreux ce soir! Bienvenue à toutes et à tous! Welcome to the stream! Ouais, la voix! Non! La voix! Mon dieu! La voix! Ah! Qui c'est qui a changé la voix? C'est laquelle? C'est quelle voix? C'est les diams encore! Vous l'aimez bien les diams, hein? Bon, bah, let's go! C'est parti! Qu'est-ce que c'est la musique? C'est vrai qu'elle est très cool cette musique. C'est une musique libre de droit. C'est Clarks and... Lani Forever Finale Ends. Je vous partage le lien directement dans le chat afin de pouvoir... Ouais, désolé, ouais. Bah ouais, mais bon. À un moment... Tenez. Amusez-vous. Amusez-vous, régalez-vous avec cette musique. Elle est vraiment sympa. Vraiment très sympa. Mais de rien vient, avec plaisir, Xtac, avec plaisir. Bon, j'espère que vous allez bien. Comment ça va? Dites-moi, comment ça va? J'attends. Je vais faire ça maintenant. Je vais demander si ça va et j'attends. Ça va très bien, merci Troyana, ça va très bien. Bah si vous allez bien, c'est parfait. C'est parfait. Tu aurais pu utiliser ta macro photo pour attendre, mais bouger. Un truc comme ça, quoi. Faut que je me fasse une scène freeze. Je me porte bien et je me sens de plus en plus à l'aise avec certaines choses. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est-à-dire certaines choses. Si on a... Attention, hein. Tu n'es pas obligé de répondre, hein, attention. Mais c'est-à-dire... C'est des choses, choses quotidiennes de la vie, des choses en particulier sur un domaine en particulier. Attention, attention, il y a Clem, faut pas le regarder dans les yeux, faut pas le regarder dans les yeux. Eh, hey, salut Clem. Bonjour mon Clem, comment vas-tu? Bienvenue. Eh, hey, il y a du monde ce soir là. Qu'est-ce qui se passe en fait là? Qu'est-ce qui se passe en fait là? Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous, ça me fait super plaisir de vous avoir. Ah, mais c'est parce que c'est férié. C'est ça? C'est ça? C'est parce que c'est férié? Je vais super bien. Ah, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir à lire, à entendre de ma voix, du coup, parce que vous ne le dites pas, du coup, je vous entends pas, mais je vous lis. Et du coup, vu que je vous lis, je l'entends de moi qui vous lis. Et du coup... Ça fait plaisir, en tout cas. Je viens de me rendre compte qu'on était lundi et du coup de voir que t'étais en live. Trop bien. Et oui, on est lundi.
Nous sommes le lundi 8 mai 2023. Et qu'est-ce qui se passe le 8 mai? Le 8 mai, c'est l'armistice. Attendez. C'est l'armistice de 1945. Donc, saucisse à toutes les armistices. Saucisse! Et ce soir, on est en live. Oui, on est en live. Alors, point sur les plannings. Avant de commencer, déjà, attention. Mesdames et messieurs, attention. Warning. Attention. 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 Mesdames et messieurs, alerte. Alerte. 27 mai 2023. Je suis tout excité. 27 mai 2023. Dans deux semaines à peu près, un peu plus. À peu près, un truc comme ça. Live. Pardon, j'ai bugué. Live spécial anniversaire d'affiliation. On fête les 1 an d'affiliation en retard, certes. Mais on les fête quand même. Normalement, c'est en février. Mais bon, là, c'est la première fois. Bon, voilà, on est souple, on est souple. Anniversaire d'affiliation. On va faire un live sûrement aux alentours de midi 13h jusqu'à... je sais pas quelle heure. On va fêter... On va faire la fête, tout simplement. C'est l'anniversaire, on fait la fête. On va faire un gâteau, on va danser, on va peut-être chanter, c'est pas sûr. On va jouer, on va faire gagner des subs toutes les heures. Il y a des subs à gagner. On va faire des quiz, on va jouer avec la communauté. On va faire plein de choses. Donc si vous voulez gagner des cadeaux, donc les cadeaux, c'est les subgifts sur la chaîne Akira Cham. Toutes les heures, il y a 2 subgifts à gagner. Donc ça va être la fête. Voilà, on va souffler les bougies et tout, ça va être cool. Donc notez. Prenez votre petit carnet, vous notez 27 mai, anniversaire. Salut Totof. Bienvenue mon Totof, le monteur fou. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Donc, le 27, notez dans un petit carnet là. Hop, marquez 27 mai... anniversaire Akira Cham affiliation. Si vous pouvez être là, vous êtes là. Si vous pouvez pas être là, c'est pas grave. On est en live toute la journée, vous passez, vous dites bonjour, vous repartez, c'est pas grave. Vous faites comme vous voulez. Vous êtes pas obligé de venir hein. Et voilà, c'est la fête quoi. Extac. Bah bison, ah bison. Alors déjà il est dans le bison Extac. Bah disons que je stresse moins pour les études, c'est bien ça. Je me projette bien et c'est cool. GG. Et je commence à m'assumer de plus en plus pour absolument tout. C'est cool. C'est con à dire, mais j'ai de plus en plus de courage d'être qui je suis. Quelle phrase de merde. Alors non, alors déjà dans ta phrase, Extac, je tiens à signaler 2 choses dans cette dernière phrase que tu as dit. C'est ta façon de parler, on la respecte, il n'y a pas de souci, mais je pense à mon sens que déjà le « c'est con à dire » n'a rien à faire, parce que c'est juste « aie confiance en toi, va de l'avant » et c'est parfait de s'assumer et il n'y a rien de plus beau que de s'assumer et d'être qui on est dans une société où potentiellement avoir un masque, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus easy, mais c'est beaucoup plus... ça fait beaucoup plus mal au final. Donc, et puis entre parenthèses, quelle phrase de merde ? Non, je l'ai compris, moi personnellement, et je trouve ça super et... C'est top. Aie confiance en toi, comme vous toutes et tous, ayez confiance en vous, allez de l'avant, soyez qui vous êtes, c'est trop bien. Phrase de merde, tu veux un coup de boule ? Voilà, 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 parfait. Dan, je t'aime. Bien le bonsoir, alors, heureux. Alors oui, alors attends, on va faire un point là-dessus aussi. Oh mais c'est important, mais oui, c'est super important, c'est super. Franchement, Extac, c'est d'enfer. C'est super ce que tu fais pour toi et les autres, ça viendra après. Soyez qui vous êtes et mettez pas de masque, assumez-vous comme vous êtes avec votre orientation sexuelle, votre genre, vos coupes de cheveux, vos passions, vos...
Soyez qui vous êtes et assumez-vous. Et quand vous vous assumez, il y a des gens qui vont venir et ces gens qui vont venir dans votre cercle et qui vont vous... Exactement. Et qui vont vous, qui vont se coller à vous dans votre cercle-là et qui vont vous faire des bisous et des câlins. Et ben, c'est des gens qui vous ressembleront et qui seront parfaits pour vous. Et ce sera un cercle vertueux et pas un cercle vicieux. Et ce cercle vertueux, et ben, vous les inspirez et eux, à être inspirés, vont grandir et s'assumer et... Vous allez être inspiré à votre tour et ainsi de suite. Et c'est compliqué à parler. Mais vous comprenez. Le 27 27 mai, attention, je vais vous faire chier pendant 2 semaines. Hein. 2,5, 3. Je vais vous faire chier tous les jours le 27 mai. Faut clipper ça, faut clipper. Le 27 mai. Anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation. Des sub-gifts. Soyez au rendez-vous. On va faire des gâteaux. On va danser. On va peut-être chanter, c'est pas sûr. On va faire des quiz. Ça va être trop bien. Le 27 mai. Notez-le. Parfait. Voilà. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Donc, mesdames et messieurs, avant de commencer le jeu, on va faire un petit point sur les plannings, bien sûr, comme on fait tous les lundis. Petit point sur les plannings de la semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine au rendez-vous? Qu'est-ce qu'on a au menu? Le menu, le chef Akira Cham, un jour mémorable. Mais oui, un jour mémorable. Les 1 an, le premier anniversaire de la chaîne. Bon, en retard, mais un jour mémorable quand même. Mesdames et messieurs, le chef Akira Cham et son restaurant vous proposent au menu pour cette semaine, lundi 20h-22h, aujourd'hui, nous allons faire Tell Me Why, continuer notre deuxième live sur le jeu. Trop bien, merci Dan, merci énormément. On va continuer, on est sur le premier épisode, on va continuer ça, mais que nous réserve cette aventure. Mercredi 20h-22h, la même, on continue Tell Me Why. Jeudi 20h-22h, on enfile notre chapeau de paléontologue et on va déterrer des foutus fossiles afin de gagner un maximum de pognon et de pouvoir dire aux gens « j'ai dépensé sans compter ». Ensuite, samedi, 8h-13h, petit live chill, café et en mode The Elder Scrolls Online. Donc voilà, et on va discuter tout ça. Mince, boum, je suis là, coucou. Tu pourras le mettre au début du live jusqu'au 27. Et enfin, et au milieu, et tout le temps. Absolument tout le temps. Absolument tout le temps. Donc voilà. Une chose aussi. Petite pub pour notre ami la licorne. La licorne qui est d'autre que la patronne de la chaîne de la vanne. La chaîne de la vanne, une chaîne qui regroupe en vidéo et en montage rigolo, en sucrerie, des... compilation et montage farfelu de ses streamers préférés à cette petite licorne. Je vous partage le lien de la dernière vidéo dans le chat. Le 27 mai, anniversaire d'affiliation Twitch. Soyez prêts, ça va faire mal. Parfait. Voilà, parfait. Ça, c'est parfait. Un vrai modo qui utilise les annonces comme il faut. Hop. Bam bam, des bonnes annonces comme il faut, c'est parfait. On peut épingler ça, ding ding, bam bam, boum boum. Alors, on va juste regarder 2-3 passages. Alors, désolé à Tesmin et à tous les autres, on va regarder des passages de la chaîne Akira Cham. Parce que bah, vous êtes sur la chaîne Akira Cham et parce que on n'a pas 15 ans parce que j'ai envie de jouer. Mais ça n'enlève rien au travail de la licorne qui est parfaite. Hein. Alors attendez. Akira Cham, ça commence là. Vous êtes pas prêts. Hein. Allez, ça va aller. On fait un react. Vous savez, il y a des gens qui se font bannir parce qu'ils font du react d'M6 et tout. I'm alright.
Et pour la première fois de ma vie, hier, avec ma belle-sœur, on a bu un bubble tea. Et c'est trop bien les bubble tea en vrai. C'est super satisfaisant. C'est bon, et c'est super satisfaisant à boire. On aspire les pailles, ça fait... C'est bizarre quand même. Dino, ça lag ? Ah ouais ? Ça lag ? Alors, j'ai l'impression... Là, ça lag plus, normalement. En plus, Tarzan Boy, c'est une chanson que j'ai en playlist. Trop bien. Là, normalement, ça lag plus. Alors, j'ai remarqué un truc. Si, ça lag ! C'est fou. Enlève les dinos. Mais ouais, mais les dinos, ils me saoulent. Bien vu, Troyana. Mais attendez. On enlève les dinos. On va quitter les dinos, même. Est-ce que là, ça lag ? Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le live. En fait, c'est chiant, parce que j'ai l'impression que quand je mets... Ouais, ça lag ta vidéo. Maintenant, ça va. C'est fou. Attendez, on fait un test. Dites-moi si ça lag ou pas. On reprend là. Ouais, c'est les petits dinos qui font lag. Hein. Est-ce que ça lag là ? La première fois de ma vie, hier, avec ma belle-sœur, on a bu un bubble tea. Et c'est trop bien les bubble tea en vrai. C'est super satisfaisant. C'est bon, et c'est super satisfaisant à boire. On aspire les pailles, ça fait... C'est fou ! C'est bizarre quand même. Bienvenue à Jurassic Park. Mais en fait, c'est fou. C'est les petits dinos qui font lag depuis le début, quoi. Le ralenti me tue. Ah mais le ralenti, il est fou. Et t'es pas prêt, il y a plein d'autres choses après. Tu vas nous travailler le thème de Jurassic Park, hein ? Ouais, de ouf, ouais. Ouais, de ouf, on va bien le travailler, ouais. Ouais, heureusement qu'il n'y a pas le bar de fou. T'as reçu les photos ? Alors, laisse-moi regarder. Oui, j'ai bien reçu. Je te remercie bien, mon Aki. Attendez, bonsoir. Le rideau. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Come on, girl. Tu m'étonnes, Extac. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue sur le live, c'est une comédie musicale ou quoi? Sale. Sale. Cuisine sale. Sale. Cuisine sale. 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 Bonsoir, plébatite. Sale. Sale. 3 à. Sale. Sale. Il se met bien, Totof. Hein. Truna. How are you, my friends? How are you, my friends? Welcome to the stream. Truyana. Truyana. Oh mon dieu, 15. Un nombre divisible par 3 et 5. Une beauté Akira lure qu'un Akiraï. Une beauté Akira lure qu'un Akiraï. Salut à vous, belle compagnie. Un bisou. Comment ça ? Quoi vous ? Déjà vous ! Il me fatigue. Ah d'accord, ça me met là où il y a des ossements, c'est ça? Ah, ça passe pas. Non, tu n'as pas fait une faute de frappe, c'est vraiment le... C'est moi qui ai mis le valide. Et t'as tapé... J'espère que c'est clair. Non. Il y a un délai en fait au moment où je bouge ma bougie. Oh putain. Ma souris. La nouvelle bougie RGB
Avec, vous pourrez jouer à des games de fous furieux. Avec une sensibilité, grâce à la cire en mollet, en faire des 360 cocktails. Un fou furieux. La nouvelle bougie RGB. Bientôt dans vos magasins. La vache, si je joue, hein. Vous vous êtes tous passé le massage ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Le coude. Gabriel, le coude, j'avais pas fait gaffe. Oh putain. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, je voudrais me faire tatouer. Très bien, installez-vous. Et dites-moi, monsieur, vous voulez quel genre de tatouage ? Des succubes. Deux, s'il vous le plaît. Par contre, dessine-moi comme une de tes françaises. Oh, le couze, c'est magnifique. Ah, bah, je te remercie bien. Je repars vers d'autres aventures. Ah, le massage. Ah, bah enfin, te voilà, Gabriel. Je t'attendais. Prépare-toi à ta défaite. Ça m'étonnerait. Je vais gagner au Kiddish. Succubes, oh, le Kiddish. Succubes et volantes. Aidez-moi à gagner le Kiddish, Lorraine. Tu ne gagneras pas, Gabriel. Fais-moi confiance. C'est ce qu'on va voir. Le Kouz. J'ai gagné. Putain. Morgane. Morgane. Attention. It's Ubu. It's now or never. I want to say Ubu. I want to be like Ubu. It's Ubu. I want you forever. Yeah. I want Ubu forever. Hey. Ah mon dieu, Totof. Un lalafel ? Un falafel, tu veux dire ? Ah mon dieu. C'est donc ça les débuts de live ? Alors ça dépend. Ça dépend. Des fois, en fait, c'est souvent en début de semaine. En début de semaine, le premier live de la semaine. Falafel, ouais. Et souvent, le début de semaine, on fait des lives comme ça, où on discute un petit peu, on fait le topo sur ce qui s'est passé le week-end, tout ça, tout ça. Et ça arrive à là, quoi. Ça arrive à là. Ça arrive à là. Et oui, du coup, comme tu disais, Dan, t'as vu, tu rates beaucoup de choses, des fois. Hein. Comme tout le monde. Hein. Même moi, des fois, j'en rate. Ah bah oui, je comprends pourquoi t'as pleuré de rire, oui. Alors désolé, parce que vous avez parlé pendant le truc, mais... Donc oui, ça a lagué, mais du coup, c'était potentiellement les petits dinos. Ça me fait chier s'il faut qu'on se débarrasse des petits dinos, par contre. Hein. Alors le ralenti, ouais. Faut faire une sonde d'alerte avec ça, avec le... Ça vous intéresserait d'avoir une sonde d'alerte avec l'aspiration des bouboules ? Des fois, c'est au milieu ou à la fin. Ouais, c'est un peu... J'aurais plus dit que tu n'en rates pas une. Ah là là. C'était bien rigolo. C'était bien rigolo. Aspiration de bouboule. Oui, l'aspiration de bouboule. Attendez, je la remets. Vous avez loupé le moment où j'aspire les boules ? C'est maintenant. Et pour la première fois de ma vie, hier, avec ma belle-sœur, on a bu un bubble tea. Et c'est trop bien les bubble tea en vrai. C'est super satisfaisant. C'est bon, et c'est super satisfaisant à boire. On aspire les pailles, ça fait... C'est bizarre quand même.
Voilà. Ça, c'est mes lives, ça. Faudrait faire ça, en fait. En fait, il faudrait que... Vous savez, ma vidéo d'intro qui est sur la chaîne Twitch. Vous savez, sur la chaîne Twitch, vous pouvez mettre une minute de vidéo qui vous permet de vous présenter, de... Voilà. On va juste mettre ça. Ça ou ça? C'est super satisfaisant. Super satisfaisant. On aspire... ...à boire. Ça fait... T'as reçu les photos? Exactement. C'est vrai, avec une participation IRL de la part de Totof, c'est vrai. C'est vrai, alias la licorne. Donc voilà pour les nouvelles, la vidéo, les plannings, et c'est quoi l'autre nouvelle? Je veux vous entendre le crier dans le chat. Je suis en train de... Ah, vous avez vu, je fais le Dilophosaur dans Jurassic Park. Pardon. Tu as le clip, c'est vrai. C'est vrai qu'on a le clip. On a le clip et on peut faire ça. En fait, on aurait dû faire un live discussion aujourd'hui. On aurait pas dû faire un live joue. Exactement, le 27 mai, anniversaire d'affiliation, merci beaucoup. Le 27 mai, anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation, des sub-gifts. Le 27 mai, anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation, des sub-gifts. Putain mais... Le 27 mai... Pardon. Anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation, qui galère. Des sub-gifts. Soyez au rendez-vous. On va faire des gâteaux, on va danser... On va peut-être chanter, c'est pas sûr. On va faire des quiz. Ça va être trop bien. Le 27 mai, notez-le. Petite futée. Bienvenue. Parfait. Ah, c'est... Voilà. C'est un follow que je devais lancer parce que du coup, cette personne a follow pendant qu'on était en off. Merci à Callan Shepard. Merci à Callan Shepard qui vient tout droit de chez Tesmin. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur la chaîne Akira Cham. Je t'annonce officiellement que grâce à ton follow, tu es devenu un petit dino dans la communauté. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui n'y sont pas. On y partage plein de choses. Ouais, Callan a follow quand on a fait le raid, en fait. On a fait un raid. On a fait un raid chez Tesmin, le dernier raid qu'on a fait. Et Callan nous a follow. Donc merci beaucoup. Merci énormément. Je lance le jeu et on est parti. On est parti. Il est quelle heure? On voit pas quoi? Oui, non mais ouais, j'ai mis juste le son. J'ai mis juste le son. C'est sympa aussi, juste le son. Du coup, j'ai posté un clip à mon tour. Qu'est-ce qu'il a posté? Ah bah oui, bien sûr. C'était sûr. C'était sûr. Il a posté le Dilophosaur. Je suis en train de... Vous avez vu, je fais le Dilophosaur dans Jurassic Park. Putain, je le fais bien. Ok, bon. On fera un point sur les clips la fin du live si jamais il y en a d'autres. Condition en cours. Let's go. Le jeu, là. On est là pour jouer. On n'est pas là pour rigoler, raconter des conneries... On est là pour jouer. Non mais, le gaming. On est sur Twitch, c'est pour jouer, hein. C'est pas pour discuter avec la communauté. Je rigole, bien sûr. Bien évidemment que je rigole. Bon, qu'est-ce qui s'est passé, là, dans Tell Me Why, la dernière fois? On s'est arrêté où, déjà? Ah ouais, suivi l'histoire. En tout cas, merci à beaucoup. Merci à beaucoup d'être là. C'est ce que j'allais dire. Merci à beaucoup d'être là.
Vous êtes nombreux aujourd'hui, et ça me fait très plaisir. Et en plus d'être nombreux et nombreuses, vous participez beaucoup dans le chat, et ça me fait énormément plaisir. Donc merci énormément. Merci vraiment, vraiment. Plein de cœur sur vous tous, toutes et tous. Vous êtes adorables. Y'a pas de soucis, mon petit Dan, merci beaucoup. On dirait que la voiture est louche, c'est rigolo. Prêt pour le Veni Vidi Vecchi? Alors. Je suis prêt à parler à Tessa. Let's go. Let's go parler à Tessa. Tessa, la meilleure amie de notre défunte maman. Mais essaie de pas oublier que tes souvenirs d'elle datent d'il y a 10 ans. Oui, et ce serait pas le cas si elle était venue me voir à Firewind. Ce qu'elle a jamais fait. Et là, pour le coup, on va incarner Allison, c'est ça? Let's go! On incarne Allison, trop bien. Oui, ça doit être Michael, oui, je pense. J'espère que le live est fluide, en tout cas, que vous entendez bien tout. Eh, c'est pas ton jour de repos? Ça va, beau gosse? On vient en tant que client. Tyler, Michael, c'est lui le collègue relou dont je t'ai parlé. Je te rappelle que j'étais là quand t'as découvert la sangria vodka chamallow. Et je suis seulement au rang de collègue relou, vraiment? T'es dur. T'en fais pas, elle m'a dit à quel point sa vie ici serait horrible si t'étais pas là. Ça me fait plaisir de te rencontrer. On parle de toi du matin au soir, j'ai l'impression de déjà te connaître. Alors, vous êtes venu faire des courses pour la maison ou... C'est ça, on s'est dit que ce serait plus facile d'être sur place. On nettoiera plus vite si jamais on peut pas s'en échapper. Bon, dans ce cas... Il va couper du bois, tranquille. J'ai vraiment trop hâte qu'on se barre d'ici. Qu'est-ce que t'as dit? Michael va aussi s'installer à Juno. En fait, on pensait se mettre... Trop bien, Troyana. Oh, ok. Merci Clem pour le retour. On pensait. Bon entretien, Troyana. La seule chose qui me fait lever le matin, c'est de faire une journée de plus sur le calendrier. Elle te lâchera pas, t'inquiète. On va vendre la maison et vous pourrez partir d'ici. Tu sais, tu pourrais venir toi aussi. Mais oui, plus on est de Ronan, plus on rit. Je fais une école de cuisine, donc on mangera bien, t'inquiète. Et puis, je ronfle qu'à cause du pollen et du baseball. Comment je pourrais dire non à ça? Est-ce que ça va? Oh, je suis trop mort. Je me suis levé à 4 heures pour pêcher avant le taf. Grosse journée. Oh, t'aimes la pêche? Ouais, il y a un spot qui s'appelle le Buzardol. J'y vais au moins 2 fois par semaine. Faut faire 1 heure de route, mais c'est super calme. Surtout tôt le matin. Arrête, j'y allais tout le temps avant. Sérieux? Ouais. Eh, si ça te dit d'y retourner un de ces jours, fais-moi signe. Cool. Let's go. La plupart des gens lâcheraient leur meilleur spot pour rien au monde. Vous êtes trop chou. À rigoler à propos d'une façon lente et chiante de tuer un animal. Elle est jalouse parce qu'elle pourrait pas attraper un poisson. Même en remplissant le lac avec du cyanure. Je suis pas... Oh, laissez tomber. Hey, ils sont un peu proches les deux là. Non? Ouais, je suis là si vous avez besoin. L'impression qu'ils étaient un peu... Toutouk. Enfin, qu'ils discutaient là. Lire quoi? Magasin général, Vidi, Vicky. Firewood. Moi j'ai envie d'explorer. Moi. Café de Tessa, plat du jour. Lupia de saumon et riz frit à l'ail. 7$. Tranche 2, bibinka. Allez, ça caille là. Attends, il y a un truc là. Comment on fait déjà? Ah oui. Moi je veux du bacon croustillant. Moi des nouilles et des rouleaux de printemps. Ah ouais, des rouleaux de printemps. Tu veux avoir du gâteau à la coco en dessert? Ah ouais. Doucement, on se calme, mes gobelins gourmands. Il faut qu'on en laisse un peu pour les autres clients. Mais Tessa a dit qu'on pouvait prendre ce qu'on voulait. Manque la cuisine. La vérité de Anna, exactement. Elle fait toujours ses... Comment on appelle ça déjà? Les rouleaux de bananes frites. Des touronnes? C'est ça. Non, je crois bien qu'elle les préparait juste pour nous. Il y a un autre truc là. C'est où? La Tessa. Hey,
suis la reine de ce Shadowm. Tu l'as ? Shadowm ? Vu que c'est un dôme, tu vas tomber en douille. C'était marrant. Ah, château, Shadowm, vu que c'est un dôme, ok. Oui, c'est rigolo. Mais pourquoi t'as pas rigolé ? C'était trop marrant, quoi. Pas aussi drôle que quand tu boudes parce que je rigole pas à tes blagues. Les gamines qui me donnent trop faim alors que ce soir tu vas encore manger des pâtes. T'as un petit rouleau de printemps là. Oh là là. J'adore les rouleaux de printemps. En général, quand je vais dans un restaurant asiatique, je me base sur... Enfin, mon critère de sélection, c'est le rouleau de printemps. Si le rouleau de printemps est bon, il y aura aucun souci pour que j'aille manger encore là-bas. Plein de fois. Et le rouleau de printemps, en général, chacun a une recette un petit peu différente. J'étais tombé sur des rouleaux de printemps crevettes, avec de la menthe, avec des noix de cajou. Oh là là. Oh là là. Il n'était pas question qu'ils détruisent ce terrain. Si, des touristes se sont plaints du manque de sécurité. Ah, oh, les pauvres petits. Les terrains de jeu, ça devrait être la première étape de la sélection naturelle. Ouais. Mais heureusement, la ville est beaucoup trop radine pour le remplacer. Mange-moi le rouleau de printemps, exactement. Le rouleau de printemps, j'en mange à la pelle, moi. Bon, alors qu'est-ce qu'on attend ? Allons faire les courses ? Humanité, on fuit d'un contemplatif, là. On regarde des trucs. Le lore. Tessa donne toujours des cours d'études bibliques tous les mercredis. Ouais. Et il y a un monde fou en plus le mercredi soir. J'espère vraiment qu'ils auront assez de signatures. Pourquoi ? Il y a un projet de... Signer la pétition, protéger la migration des saumons. Ça va totalement bouleverser la migration. Stopper la construction des cabanes de chasseurs à Fallon Creek. Je suis d'accord. Signe, signe. C'est dingue qu'il ait pas encore chopé. Commissariat de police de Delos Crossing. Mise en garde. Récemment. Plusieurs vols de courrier ont été déclarés à Delos Crossing et ses environs. Les victimes ont indiqué que des lettres ainsi que des colis avaient été dérobés dans les boîtes aux lettres. Plus particulièrement dans les quartiers d'East Point et Alameda. Le commissariat de... Julie, Tyler. Le commissariat de police de Delos Crossing encourage tous les citoyens à redoubler de vigilance et à investir dans l'achat de boîtes aux lettres à verrou. Toute activité suspecte. Si vous disposez d'informations, blablabla. C'est mort, après on pourra plus manger de sashimi. Je m'en fous, rouleau de printemps à fond. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Ronan. Bonjour. Tu as oublié quelque chose dans le bureau ? Non, je viens juste faire des courses. Tu te souviens de mon frère, Tyler ? Ton frère ? Oh ! Ah oui, Tyler ! Ah, quelle bonne surprise ! Allison, t'as pas dit que j'arrivais aujourd'hui ? Ah, moi aussi, j'adore les sashimi. Si, c'est bien possible. Mais rouleau de printemps forever. Je ne m'attendais pas à voir un garçon aussi élégant. Eh oui, j'ai pris une douche ce matin. Ah, vous venez de revenir en ville ou... Plus ou moins. On a commencé le rangement de l'ancienne maison. Bizarrement, elle est restée vide pendant 10 ans et pourtant, il nous manque des choses. D'où la mission shopping. Oui, bien sûr. On va vous trouver tout ce qu'il vous faut. Ça doit vous faire plaisir de revenir. Je suis pas sûr que je parlerai de plaisir. Ah, oui, bien sûr. J'imagine que revenir ici doit être un peu compliqué. Ouais, on peut dire ça comme ça. Bon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Dis-moi, est-ce que Tessa est dans le coin ? La patronne n'est pas là pour le moment. Mais je suis sûr qu'elle passera plus tard. Nous, on vient porter ça, nous. Bon, alors il nous faut des bougies et du nettoyant multi-usage. Et à manger et à boire. Je crève la dalle. Tu pourrais prendre ça en photo, s'il te plaît. Regarde, tous les bons points de pêche sont indiqués. Mage. J'ai oublié mon téléphone. Putain, peut-être. J'ai pas mon téléphone sur moi. Et tu sais, tu pourras retrouver tout ça sur Internet plus tard. Tu rigoles. Les vieux pêcheurs sont pas du genre à partager des tuyaux comme ça sur Internet. Tyler,
Tu veux de l'eau, du soda, du jus? C'est toi qui vois, je suis pas difficile. Moi, ça me dit rien, tout ça. Mais si ça te dit rien? Non, le roi truite est toujours là. Soda? Soda raisin? Minute papillon? C'est du minute made. Quoi? Gla wata? C'est de l'eau. On prend de l'eau, hein? On prend de l'eau. On prend quoi? On prend de l'eau? Du jus de raisin pétillant? Enfin, c'est pas du tout. C'est du... soda au raisin? Jus de fruits? Ou eau? On prend quoi? On prend quoi? Moi, je suis chaud pour de l'eau. Hein. Soda raisin ou... quoi que soda raisin? Non. Jus de fruits? Jus de fruits ou eau? Attends, ça se trouve, il y a un autre truc après. Ça se trouve, les sodas, c'est pas tout cela, c'est pas tout là, si? Eh, on se prend 50 boîtes de pêche au sirop juste au cas où l'apocalypse serait pour ce soir. Si tu veux. Si l'apocalypse a lieu quand on est dans cette vieille baraque, on est foutu. Ça, c'est vraiment une grosse citrouille. C'est vrai. Hey, Tyler, des bonbons ou des chips? Tu sais que je suis plutôt sucré, Frangine. Bah si t'es plutôt sucré, let's go bonbons. Allez, bonbons. Oui, à la surdose de sucre. Du coup, si on part sur des bonbons, autant prendre un truc moins sucré pour la boisson, genre de l'eau. Voyons voir. Pivoine fraîchement coupée, gâteau aux pépites de chocolat, du chamallow grillé. Tu me lis les recettes d'un bouquin de cuisine bobo ou quoi? Non, je suis juste en train de regarder des bougies de bobo. Oh, c'est des bougies. Bougie ou glacier, bougie parfumée. Bougie chauffe-plat, paquet de 6 sans parfum. On va prendre des trucs parfumés. Let's go. Il n'y a qu'une vie après tout. T'as raison, prends 50 boîtes de pêche. Je te regarde les portes, frère. Frais ici. Genre du calais, des Los Crossing. Oui, t'es Michael. Je pars vite fait faire un truc à qui? Tu es pas prêt, oh putain. Ah, je suis grillé. Ah, et grillé comme les pancakes. Lol. Alors. Je vais prendre de l'eau. Des fraises en novembre. De l'eau, y'a rien de vrai. Y'a rien de plus vrai que de l'eau, que du vrai soda, plus du de l'eau. C'est toi qui vois. Je pas... vais prendre de l'eau. Fais-toi plaisir, ma grande. Point culminant en 9 lettres. Point culminant en 9 lettres. Non, Tom. Bah non, 9 lettres. Dans le chat. Point culminant en 9 lettres. Allez, vous l'avez, je l'ai. Ah, c'est vrai. Ah non, je l'ai pas. Je me rappelle que Marianne a pris tous les produits en vrac. Tessa avait horreur de ça. Si, je l'ai. Hey, Tyler, tu te souviens du roi truite? Ouais, je l'ai vu. Je pensais que Tom l'aurait rangé depuis le temps. Tu veux rire? Il rate jamais l'occasion de dire au client qu'il a gagné un concours de pêche. Et elle faisait 6 kilos. Le roi truite. Point culminant en 9 lettres. Hé, hey, Tom, depuis quand t'as cette nouvelle plaque californienne? Tu te souviens du gentil petit couple dernier? Avec leur camionnette déjantée. Ils t'ont envoyé leur plaque d'immatriculation. Mon blanc. Elle était partie à la fourrière. Je me suis arrangé pour la fourrière. Tu veux dire par là que t'as proposé une réduction à Eddie sur ses nouvelles cuissardes? J'ai des amis au placé. Oh, ça fait 9 lettres, hein. C'est... Après, c'est un seul mot, du coup. Normalement. Rue Totof. C'était montagne, montagne au pluriel. L'inventaire, hein? Ouais, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie. Bref, ça se passe bien les courses, faut trouver... Mais c'était... C'est bien trouvé quand même, Clem. Ouais, j'aurais pu faire plus vite, mais je laisse Tyler errer et simplement... Ça marche, Totof. Ça doit lui faire bizarre de revenir ici. Ouais, je sais pas. Mais ça a été une journée de dingue.
Tu peux définir dingue? On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont vraiment secoués. Est-ce que t'as envie qu'on en parle? Oui, mais pas ici. Ouais, clairement. Et puis, c'est peut-être pas à moi d'en parler. Ce que j'allais dire. Mais on pourrait se retrouver plus tard et tu pourras entendre toute notre histoire de dingue. D'accord. Bon. Si t'as besoin, je suis là. Ah, oh, si on avait un grille-pain, j'aurais fait un stock de gaufres surgelées. Oh, juste le DL, petit indice. C'est un son, c'est ça? Dingue, synonyme de fou. Donc là, il y a la grosse citrouille. Wow. Ils ont mis le paquet sur la décoration. Il y avait pas il est un où? Il est là-bas. Plaque d'immatriculation ici. Retroyana. Du coup, t'as des nouvelles? Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? J'ai pas encore trouvé le produit nettoyant. Ah, il est là. Wow, stylé les gilets de sauvetage. J'en veux un avec écrit Tyler Ronan Ludmer. Ah, le fameux drapeau américain, indémodable. Mais l'orange fluo là, il met bien en valeur mon teint d'aspirine. J'espère que tu auras des nouvelles aussi. Un avis sur les produits nettoyants? Oui, s'en servir c'est la pire façon de passer un après-midi. Boomerang, toute surface, nettoyant universel. Nettoyant bio, toute surface. Eh ben, nettoyant bio, toute surface. Mmh. Très bien. Version bio, c'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Dans bon, la poche. Ah, je crois qu'on a fini. Elle l'a mis dans la poche. Signe au comptoir. Elle a mis le gros bidon dans sa poche. Elle est sacrée poche. Hein. Troyana, elle a une... Elle a un truc interactif sur son site sur Diablo 4 et c'est un truc en anglais, du coup elle a envoyé à un développeur un courriel afin de pouvoir le passer en français, si j'ai bien compris, et c'est trop bien. Ouais, elle a mis un dieu dans sa poche. Ce sera tout? Oui. Merci, Tom. Tessa! Oh, salut, Tessa. On venait justement pour te parler. Salut, Tessa. Ça faisait longtemps. Mon Dieu, tu as tellement changé. Tu es méconnaissable. C'est bien moi, avec de la barbe. Oui. On est passé à l'ancienne maison aujourd'hui. Seigneur, mais pourquoi? Je suis surprise qu'elle tienne encore debout. On a trouvé des choses dans la chambre de Marianne qui nous ont un peu surpris. Ah bon? On voudrait te poser quelques questions sur elle. Tu dois être la seule personne qui ait connu Marianne mieux que nous. Oh, eh bien, je ne sais pas. Ça fait 10 ans, quand même. Je sais, mais j'ai besoin de te poser la question. Je t'écoute. Est-ce qu'elle a déjà parlé du fait que je sois un garçon? Non. Non, jamais. Je l'ai appris bien plus tard, comme tout le monde. Marianne était inquiète, c'est évident. Elle en a jamais parlé avec toi? Vraiment? Ta mère était quelqu'un de très secret. Elle n'avait besoin de personne et elle le faisait savoir. Mais là, ça concernait Tyler. Elle n'hésitait jamais à demander de l'aide quand il s'agissait de nous. Pas vers la fin. Écoutez, j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, désolée. Mais... Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tourner la page. C'est pas aussi simple que ça. Non. Cette nuit-là, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui s'est passé. Mais c'était la volonté de Dieu. C'est la seule certitude. Il faut que j'y aille. Bonne chance à tous les deux, vraiment. Super. C'était quoi ce délire? C'est Dieu, quoi. C'est Dieu. Elle a été formée à la CIA ou quoi? Il y a quelque chose de bizarre. T'es d'accord, non? Oui. Ouais, je trouve aussi. Comme si quelque chose m'avait échappé.
Pendant que t'embrassais ce type, moi, baisais Molly. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est des répliques de quoi, ça ? Qu'est-ce que tu veux faire, Tyler, là ? Il y a un truc, là. C'est où ? Ok. Les enfants, vous avez fini ? Oui, maman. On peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? Désolée, mais on n'a pas le temps de jouer aux cartes aujourd'hui, ma chérie. Bon, on y va. Marianne, tu peux venir ? Désolée, Tessa, je suis un peu pressée. Ah oui, c'est quoi ton excuse cette fois ? Tu dois réparer le barrage de Castor en urgence. Tessa, écoute. Non, je ne veux rien savoir. Je veux te parler maintenant. Tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes ? J'avais okay. complètement oublié ça. Je m'en souviens, mais pas exactement comme ça. Bon, voyons ce que dit ma version. Ok ? Maman, on peut aller dehors pendant que tu joues aux cartes avec Tessa ? Non, on va pas jouer aujourd'hui. Marianne ? On peut discuter ? Non ! On peut pas. Laissez les courses, les enfants. On y va. Arrête. S'il te plaît, rien que quelques minutes. Ok ? Qu'est-ce que... Quoi ? Nos souvenirs sont un peu différents. Oui, bah oui. Mais bon, c'est assez logique. C'est comme dans Rashomon. Quoi qu'il en soit, après ça, elles ont marché vers le comptoir, et c'est là que Marianne s'est lâchée sur Tessa, c'est ça ? Non. Marianne nous a défendus contre Tessa qui nous faisait la morale. Je veux te parler maintenant. Si tu préfères que je te demande de rembourser tes dettes. D'accord sur notre version. Le Seigneur châtie ceux qui l'aiment. Tu trahis tes enfants, Marianne. Juge-moi tant que tu veux. Mais ne balance pas tes messages de haine devant mes enfants. Mes messages de haine ? J'essaie d'être une amie pour toi. Elles ont besoin d'une main ferme pour les guider, et toi ? Je rêve. Non, mais tu penses vraiment que t'es une amie pour moi, là ? À me parler de mes enfants de cette manière ? Mais oui, tu ne vas jamais me croire. Mais les amis ne sont pas là que pour prêter de l'argent, Marianne. Tu veux vraiment qu'on en parle ? Très bien. Allons dans ton bureau. Je reviens tout de suite, d'accord ? Vous restez là, d'accord ? Ça va pas, la tête ? J'aurais bien aimé que tu me croies sur ce coup-là. Je pense vraiment pas que Tessa ait été aussi dure. Tu la connais pas. Et peu importe qui a commencé. Une fois dans le bureau, elles se sont lâchées toutes les deux. Tu penses que c'était quoi le sujet de leur dispute ? Moi ? Je sais pas. J'entendais rien avec la musique. En tout cas, maintenant qu'on sait qu'elle nous a menti, allons la voir. Ok. C'est ça, faut qu'on parle. Je peux t'aider, Allison ? Non, non merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié en fait. C'est pas vrai. Tessa note absolument tout dans ses carnets. Comme quoi ? L'argent qu'elle prête, quels articles ses clients réguliers peuvent avoir gratuitement, même ses dons à l'église. Et après ? Elle t'envoie une tête de cheval si elle récupère pas son argent ? Non, je crois que c'est juste pour garder une trace. Elle montrera tout ça à Saint-Paul comme preuve de sa bonté. Salut à vous, belle compagnie. Du coup, potentiellement, il y a peut-être une trace, il y a peut-être un truc. Coucou Lucky, bienvenue à toi sur le live. J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Oh, le drama, bah oui. Zé. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Nouvel objet à collectionner. La pieuse pélican. Let's go. On a gagné un pélican. Let's go. J'espère que tu vas bien, petit Lucky, bienvenue. Hé ! Pardon. C'est ça, faut qu'on parle. Je peux faire quelque chose pour vous ? Ouais, dis-nous la vérité. Et arrête de te cacher derrière tes lunettes. Et tes cheveux. Juste quelques courses, qu'est-ce que tu fais ?
Tes disputes avec Marianne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est juste l'inventaire. Ah, j'ai de la chance d'être en repos aujourd'hui, hein. Oui, un heureux hasard, on va dire. Non, c'était un pélican. C'était le machin truc pélican, c'était son nom. Ça va, merci, parfait. Ta dispute. Tout à l'heure, tu oui, mais Marianne okay, ouais. gardait tout pour elle. Mais vous avez eu une grosse dispute quelques mois avant sa mort. C'est bien ça? On se disputait tout le temps. Il va falloir être plus précise. Et je parle pas de tricherie au canasta. C'était sérieux. Vous vous êtes enfermé dans le bureau pour qu'on puisse pas entendre. Je suis désolée. Tout ça remonte à si loin. Genre. Écoute, je suis assez occupée là. C'est juste que okay. tu veux pas. On t'embête pas plus. Ouais. Fais chier. Je crois qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle nous a dit. Bien sûr. Sans blague. Mais on pourra pas la faire parler sans savoir exactement où creuser. Si on savait au moins de quoi il s'agit, elle serait bien forcée d'admettre. Oui, c'est sûr, mais comment on fait? La musique était trop forte pour qu'on puisse entendre quoi que ce soit. Oui. Marianne et Tessa étaient dingues de cette chanson. Elle la passait tout le temps. À quoi tu penses? On a ces visions quand on voit ou qu'on entend quelque chose de chargé émotionnellement. Peut-être que l'écouter déclencherait quelque chose. Eh, mais t'as peut-être raison, Ronan. On peut pas retourner la voir tant qu'on n'est pas préparé. On devrait parler à Tom. Faut qu'on ait un dossier aussi solide que possible. Ok. Voyons d'abord si on peut retrouver cette chanson. Ok. Let's go. Qu'est-ce qu'on cherche où, là? On sort? Faut sortir? Non. Tu soutiens pas un meilleur contrôle des armes à feu? Mon programme appelle à une régulation raisonnée, mais les gens d'ici ont besoin d'armes pour se protéger. Et, comme tu le sais, on fait des recherches d'antécédents poussés avant chaque vente. Hé, Tom. Je peux faire quelque chose pour toi? Ça va peut-être te paraître bizarre, mais... Tu te souviens de la chanson que Tessa et Marianne adoraient? Elle la passait tout le temps. Ah oh. Comment je pourrais oublier? Je crois qu'elle a toujours le CD quelque part par là. Ah. Mais j'imagine qu'il doit être un peu abîmé, évidemment. Un petit instant... On attend, ah, on attend. La voilà. J'étais content que ça s'arrête, pour être honnête. C'était un peu trop kitsch à mon goût. C'est celle-là, non? Ouais, je crois bien. Let's go! Wow, ça fait remonter un tas de souvenirs d'un coup. Tu vois la même chose que moi? Oui. Ah oui? Tessa, viens ici. Je sais que t'adores cette chanson. Non, ça je ne peux pas. Il faut quand même bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille ici. J'avais oublié comme elle pouvait être insouciante. Ouais, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je pense qu'on a d'autres souvenirs à déterrer. Je sais pas, on va bien voir. Ils sont où? Les enfants n'arrêtent pas de me réclamer ces bonbons. Mais ils sont tellement chers. Prends-en un paquet. C'est pour moi. Oh non, je peux pas, Tessa. Allez, c'est rien. D'accord. Mais note-le bien dans ton petit carnet. D'accord, d'accord. C'est comme tu veux. Voilà, tu es content? Oui. Et compte sur moi mercredi pour la fermeture. Comme je te l'ai promis. Let's go. Ça jouait un peu le rôle d'une mère.
Tu veux plutôt dire du nut-nut pour l'élu et traiter Marianne comme une âme à sauver. Elle essayait d'aider. Faudrait trouver ce carnet qu'elle avait. Je suis sûre d'en avoir repéré un marqué 2004 dans l'armoire du bureau. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais besoin d'aide au magasin. Il y a 2 heures que j'avais besoin d'aide. Mais tu as bu ou quoi? Quoi? Non! J'ai eu une sale journée, ok? J'ai pris un cachet, mais je vais bien. Marianne... J'ai dit, je vais bien! Les enfants, on y va! Attends, s'il te plaît, j'ai quelque chose pour toi. Tu regarderas ça en rentrant chez toi, d'accord? Ils savent gérer ce genre de problème. Ça fait des années que je travaille avec ces gens-là. Ils peuvent aider. Elle buvait ? Je crois que c'était quoi ce dépliant que Tessa a donné à Marianne ? Je sais pas. J'ai vu le même dans la chambre de Marianne. Ça faisait un peu flipper, mais ça m'a pas évoqué grand-chose. C'était un torchon. Genre, du niveau des thérapies de conversion. Ok. Wow. Si c'est vrai, je veux savoir ce que Marianne en pensait. Et on doit avoir des preuves solides à balancer à Tessa. Tessa a mangé tout le Nutella. Tintin. Plot twist. Je peux t'aider, Allison ? Non, merci, ça va aller. Cherche juste un truc que j'ai oublié, en fait. Ouais, le carnet 2004, là. 2004. Quelque chose d'intéressant ? Juin. $24 pour repas au restaurant payé. Septembre. 11 €, poupée pour sa fille. Enfin, j'ai dit euros, mais c'est dollars. Eric B. Février. Alors, c'était qui? Elijah. Ok. Eric. Février, $50. Mars, dette payée. Dette février payée, ok. Septembre, $20 pour essence payée en totalité. Marianne, oula. N'est pas venue. On dirait que Marianne a arrêté de rembourser en octobre 2004. C'était 5 mois avant cette nuit-là. Avril, $50 essence payée. 37 pour course plus 30 pour nouvelle veste. Je l'ai. Apothéose. Juin, $21 pour médicaments payés. Août, $40 pour course payée. Aider pendant coup de feu, plus inventaire. Octobre. Donc c'est octobre. Octobre 2004. Et octobre 2004, c'est 5 mois avant. Pour réparation machine à laver. Nouvelle chaussure. Chèque refusé. N'est pas venu. N'a pas rappelé. Janvier n'est pas venu. Imagine le malaise. Tu fais des courses et tu vois 2 personnes qui passent leur temps à faire 5 ou 6 pas dans le magasin et s'arrêter toutes les 30 secondes pour regarder dans le vide. J'avoue. Rayon vide, mon préféré. C'est une promo en plus, waouh. Oh, il y a un PC. Un truc sur le PC. Alors, faut pas qu'on ouvre une page. T'as effacé ton historique, t'es ça? On peut regarder ça? Parce que je suis en live. Hein. Ça t'ennuie si je cherche un truc sur internet? Mon téléphone est mort. Bien sûr, mais fais vite, je vais avoir besoin de l'ordinateur. Genre. Barbara. Exactement. Bon allez, je re dans quelques minutes, soyez sages les petits os. Ouais, on essaye. Je sais bien que personne n'a envie de parler de ça, mais Lisa est encore manqué la répétition. Ça fait des semaines qu'elle ne vient plus. Je sais que son interprétation de Danny Boy nous a tous émus à l'enterrement de Carl. Mais à quoi bon avoir une belle voix quand on n'est pas capable de se pointer toutes les semaines comme les autres? Je crois qu'il va falloir organiser le gala d'hiver sans elle. Un avis? Barbe. Cueillez le jour. Quoi? On va pas tout lire, hein. Saucisse!
Votre commande est expédiée. Votre commande chez Sextoy & Co. est expédiée... Ah putain. Quand jeûnent les chercheurs de vertu. Attends, quoi? C'est ça qu'elle conseillait pour Tyler? Je sais pas quoi dire. Suivez la conférence de machin médiéval. Oui. Allons voir. Dissertation chrétienne. Guide parental pour éviter l'attirance au sexuel. Oula. Mon dieu. Ok, bon, Tessa, elle a pas l'air d'être trop partante pour le peut-être. Hein. Camp de jeunes à recherche de vertu, 20e édition. Je pense qu'on en a assez vu. Mais. Oui, on s'est fait une bonne idée de la situation. Allons voir Tessa. Ah. Je pense qu'on en a assez vu. Il t'a répondu. Trop bien, Troyana. Saucisse, Troyana. Nous revoilà, avec des détails pour te rafraîchir la mémoire. Ah, vraiment? Oula. Oui, vraiment. On faisait les courses, et puis t'as débarqué, et exigé que Marianne te parle et rembourse ses dettes. Ça s'est transformé en dispute, puis vous êtes allé dans le bureau et vous avez mis la chanson sur laquelle vous dansiez tout le temps. Exiger un remboursement? Moi? Comme si j'étais une banquière, non mais... Et ce sera arrivé quand, ça? Désolée, on n'a pas vraiment de date de nous souvenir. Et je devrais prendre ces accusations au sérieux alors que vous n'êtes même pas capable de vous souvenir des détails essentiels. Octobre 2004. C'est là qu'elle arrivait plus à te rembourser, non? Oui. Je ne sais pas pourquoi, elle avait toujours trouvé un moyen de me payer avant ça. Mais on ne s'est jamais disputé pour l'argent. J'étais frustrée. Mais quand quelqu'un n'a rien, il n'a rien. Oui, on se doutait que l'argent n'était pas la cause de vos disputes. Tu étais furieuse qu'elle te plante. Tu lui as parlé du camp. Tu lui as dit qu'elle nous trahissait. Tu lui as dit qu'elle nous trahissait, qu'elle était une mère indigne. Elle en a eu marre que tu la juges. C'est pour ça? Je n'ai pas la moindre idée de quoi tu parles. Et je n'ai jamais été cruelle envers Marianne. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'aider. Pour vous aider. Même quand elle s'est fâchée. Même quand elle m'a craché au visage pour me remercier. Même quand elle ne le méritait pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Calme-toi. Écoute. On sait que tu t'es occupé de nous. Et on t'est très reconnaissant. Mais il faut absolument que j'aie la réponse à une question. Quand vous vous disputiez, est-ce que c'était à cause de moi? Voilà. C'était à propos d'un tas de choses. Tout était devenu un problème pour elle sur la fin. Est-ce que t'as cherché à la convaincre d'envoyer Tyler dans un programme spécial? Non. Et j'aimerais que vous partiez maintenant. C'est ça. Ce que j'essaie de savoir, c'est si Marianne a voulu me tuer à cause de ce que je suis. Tu peux le comprendre. Oui, mais je... Alors pourquoi tu réponds pas franchement? Mais je... Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans sa tête ce jour-là. Et je regretterai jusqu'à ma mort de n'avoir rien vu venir. Écoutez, je comprends que ce soit un sujet sensible pour vous deux. Mais soyez rassurés, le pardon est au cœur de mes relations avec mon prochain. Si t'es si généreuse, pourquoi t'as laissé tomber Marianne quand elle était au plus mal? Je refuse de revenir sur cette histoire. Maintenant, partez. On peut récupérer nos courses? Ah, Michael a déjà tout mis dans votre coffre. Ok. Au revoir, Tom. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait beaucoup de choses, là, à digérer d'un coup. Tu sais, on aurait peut-être fini par apprendre quelque chose si tu t'étais pas acharné sur elle. Attends, t'es sérieux, là? Tu n'as pas arrêté de lui tomber dessus. Me mets pas tout sur le dos. Elle se sent clairement coupable de quelque chose, et c'est pour ça qu'elle refuse d'en parler. Oh, quel putain d'hypocrite! T'as fini? T'as évacué tout ce que t'avais sur le cœur? Désolée de m'être emportée. Mais ça me rend complètement dingue qu'elle joue les cruches comme ça. Elle sait combien c'est important pour nous. Pour toi. Oui. Tu tiens un truc avec cette histoire de culpabilité. Elle a pas voulu nous dire pourquoi elle se disputait. C'est pour ça que je pense que c'était à cause de moi. Ce qui lui a fait peur, c'est quand t'as parlé du programme. Je crois que... Marianne essayait vraiment de trouver une façon de m'aider. Avant qu'il se passe quelque chose qui lui a fait péter les plombs. T'as peut-être raison. Ouais. Elle s'est battue pour moi, Allison. Marianne était peut-être cinglée. Mais... Elle m'avait compris. Je me sens plus léger. Comme si j'avais traîné un boulet pendant ces 10 dernières années, et...
que j'en étais enfin débarrassé. Je... Je suis vraiment contente pour toi. Mais... On vient juste d'ouvrir la boîte de Pandore, non ? Ouais, une grosse boîte pleine d'emmerdes. Eh ben, heureusement qu'Eddie nous attend. Il connaissait bien Marianne, et il était chargé de l'affaire. Est-ce qu'il t'a déjà mentionné quoi que ce soit à propos de l'enquête ? Non, j'ai jamais posé de questions. Et je suis sûre que pour lui, il valait mieux que je sache rien. J'imagine que c'est le sujet idéal pour plomber l'ambiance au dîner. Exactement. Enfin, il est consciencieux. C'est un bon flic. Il pourra sûrement nous dire quelque chose. Allons-y. Ok. Mais dis donc. Trop bien, Troyana. GG, hein, en vrai. Hein. C'est trop cool. Troyana va avoir un site trop beau. Oh, déjà qu'il est classe. Là, avec la map et le build interactif, là, oh là là. Trop bien. Hein. Super cool, en vrai. Hein. C'est trop cool. Super content pour toi. On va avoir un site de qualité à portée de main, là. Ça, c'est bon, ça. C'est plutôt sinistre. Il y a plus de monde d'habitude. Mais tous les agents partent à 18h tapante. Il y a plus de crime après 18h. Dans les ruelles sombres de Delos Crossing, rien que des ours et des types éméchés. Et ça, Oncle Eddie peut souvent gérer tout seul. Et si c'est des ours éméchés ? Enfin bref, il doit être dans son bureau, à l'étage. Regardez cette affreuse mascotte, hein. Quoi ? L'agent Justin Beaver a vraiment rien de hideux. Justin Beaver. C'est le vétéran de la police de Delos Crossing. Hello, Justin Beaver. Je suis la loi. C'est Justin Beaver. Attends, je vais me mettre à jour sur tous les ragots de Delos Crossing. C'est juste des informations de sécurité. Rien de très intéressant. Baby, baby, prison. Oh. J'ai passé beaucoup de temps ici quand t'étais petite. Tu m'étonnes, dès qu'Eddie travaillait. Tout le monde ici fait partie de ma famille. Oh, trop bien, un petit chauffage là. Des gens qui missent. Quoi ? Claire Brown a disparu pendant une sortie en motoneige ? Ouais, je croyais que t'étais encore là quand c'est arrivé. Je m'en souviens pas. Pas à croire qu'ils envoient toujours des personnes atteintes de maladies mentales en prison. De quoi ? L'Alaska n'a qu'un seul hôpital psychiatrique, pour un peu moins d'une centaine de lits. Du coup, si jamais quelqu'un pète un plomb, on l'envoie directement en prison. La vache, je savais pas du tout. D'où tu sors ça ? Darren, c'est un mec vraiment passionné par le sujet. Je suis allé plusieurs fois devant le Capitole avec lui pour manifester contre ça. Moi, il y avait un souvenir, là, il est où ? Enfin, on va pas laisser ces pauvres gosses dormir ici. Ben, où est-ce que tu veux qu'ils aillent ? Les services sociaux seront pas là avant plusieurs heures, et c'est la seule pièce dispo où il y a un lit. Ok, mais pas une cellule. On va bien trouver autre chose. Et c'est reparti. C'est pas vrai, pas là. Je suis pas prête. Moi non plus.
Les Delos Crossing Raiders. Merde. Touche à rien avec tes gros doigts. Désolé. Putain. Eh, c'est une vieille radio de police d'époque, non? Ouais, trop cool, hein. Elle a pris la poussière dans un placard pendant des années. Eddie l'a mise en vitrine l'année dernière. Quel geek. Pourquoi ils me disent quelque chose? Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que Tessa détestait parce qu'ils écoutaient du Fish à fond et se roulaient des pelles sur le parking de Vicky. Voilà. Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien et tout le tralala. Wow. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Le voleur des boîtes aux lettres, hein. C'est le bureau de Denise Wilson. Tu te souviens d'elle? Dila Folda. Oh non, c'était son anniversaire. J'ai complètement oublié. T'es vraiment une personne horrible. Est-ce que tu te souviens de lui? Non. C'est Jet? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, oh, putain. La pauvre. Et c'est un... Espérons merde. Que ça la fera pas flipper. Mais c'est un mot à dire. Qu'est-ce qu'elle a mis? Salut Denise, merci pour le coup de main avec les pneus. Elle a fait un petit pneu en dessin trop mignon. Et merde, c'est fermé. Tu t'attendais à quoi, gros malin? C'est un commissariat. Eddie a dû la fermer. Bon, ça va être en haut, hein, à tous les coups. Ça aussi, ça va être fermé? Ouais. Ah non. Ah, mais y'a rien, ok. Rien d'intéressant. Ah, y'a quelque chose qui bloque. Ah, mais y'a quelque chose qui bloque là. Ok. C'était quoi ce bruit? J'imagine que c'est ici qu'ils gardent les armes et tout ça. C'est pas vraiment Fort Knox, mais oui, c'est ça. Tu crois qu'on pourrait trouver des dossiers sur Marianne aux archives? Je sais pas, mais de toute façon, on n'y a pas accès. Peut-être qu'Eddie serait d'accord pour nous montrer son dossier. Pardon, Tyler. Merci. Oh, Allison. Je termine juste un appel. Je dois convaincre Melinda que les corbeaux dans ces poubelles, c'est pas de notre sort. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. Allez vous prendre un petit café. Voilà les clés de la salle de repos. Merci. Venez me voir quand vous aurez fini, ok? Il est Tyler. 21h21. Ça te dit un café? La machine est dans la salle de repos en bas. Bon, Tyler, clairement, il l'aime pas. Hein. Je pensais vraiment avoir scellé ces souvenirs loin, très loin dans mon inconscient. Oui, moi aussi. C'est où la salle de repos? C'est là-bas? Ça, c'est une cellule. Ah, il y a un truc qui bloque. Ah, il y a quelque chose qui bloque. Ça, c'est l'accueil. C'est où? Il y a un souvenir, il est où? Et de l'autre côté?
est-ce qu'on va? On va s'asseoir ici, et je vais te poser quelques questions, d'accord? Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Je fais toujours en sorte de pas me souvenir de cette nuit-là quand je viens ici. Je comprends. C'est là qu'il veut qu'on aille ? Ouh, Rose me laisse jamais entrer ici. Putain, qu'est-ce qu'on fait ? On fouille ou pas ? On n'a pas le droit d'être ici. Oh, j'ai envie de lire là. Oh, Rose a laissé l'ordinateur allumé. Oh, mince alors. Note, tout le personnel commissariat de police. Veuillez réinitialiser votre mot de passe. En raison de la mise en place de nouveaux logiciels de gestion, tous les employés sont priés de réinitialiser leur mot de passe. Veuillez noter que l'ordinateur du bureau d'accueil est désormais accessible à l'aide de l'identifiant et du mot de passe de n'importe quel agent. Contactez Sally ou manana. R. Jackson. Là, il y a un truc là. Là où là. Mot de passe. A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4. C'est des lettres. Ah, mais on peut choisir le. Ok. 5 lettres. Il y a Wilson, Jackson, Greggs, Onanina, Vinci, Wilson. Ok. 5 lettres. On peut pas lire les post-it là, c'est pas les bonnes. Qui met son mot de passe sur un post-it? Hey, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Elle est où la salle de repos? Ah bah tu sais. Elle est où la salle de repos? Et de l'autre côté, mais faut que tu te pousses, Tyler. Moi j'ai besoin du mot de passe, moi. Là c'est Denise. Denise, comment ? Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Alors là, on a Jet. Jet, c'est J-E-T, donc bon, c'est trois lettres. Non. C'est Jet ? Oui. Il est mort l'année dernière en s'interposant entre Dee et un ours. Oh, putain. La pauvre. J'aurais dû lui offrir quelque chose. T'es vraiment une personne horrible. C'est ta faute. J'étais tellement excitée de te voir que ça m'est sorti de la tête. Je regarde un petit peu sur le bureau s'il y a un indice ou un truc. J'ai vu qu'il y avait marqué Alaska, mais non. Delos Crossing, ok. Là, c'est qui? C'est... comment il s'appelle? Vincenzi, là. Le nom de sa fille. Tu te souviens de Dan et Shelby? Je crois, oui. Les lycéens que t'étais détestés parce qu'ils écoutaient du Fischer. S-H-E-L-B-Y, non. Voilà, Dan est flic maintenant. Ils se sont mariés, ils ont un gosse, un chien, et tout le tralala. Waouh. Non mais depuis quand est-ce que tout le monde est devenu adulte? Là, non? C'est qui là? Oh quoi? Oh Greggs. lire. Le personnel du commissariat de police de la clinique psychiatrique, transfert de patients. À tous les officiers du commissariat de police de Delos, veuillez noter qu'en raison d'un engorgement des services, les patients Dean et Kevin seront transférés dans l'unité psychiatrique du centre pénitentiaire de machin truc bidule chouette. D'accord ? Du brut, oh là là, boule noire. Purée, c'est bon. Il y a un build interactif en français. Trop cool! GG! Super ça. Par défaut sur ton site, mais trop bien! Oh, j'irai voir ça après. Tu laisses trop bien. Encore traîner ça à la vue de tous. Grex. Comme l'agent Grex. Ouh, ça va sentir super bon demain. Ça vient du resto de Tessa, non?
Oui, évidemment, c'est là que tout le monde mange. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix de resto à Delos Crossing. Ok, bon, bah, j'arrive pas à avoir de mot de passe. Saucisse ! Saucisse, ah, là. Happy birthday. Ah, on dirait qu'elle a oublié sa clé de casier ici. Ah mince alors. Ah, on dirait qu'elle a oublié. Elle va me tuer vu que j'ai zappé son anniversaire. Joyeux anniversaire Denise. Continue comme ça, Eddie. Toujours là pour nous montrer qu'on peut vieillir sans être plus sage. Passe une super journée, Didi, Dan. Profite de ta dernière année de jeunesse avant de rejoindre le club des vieilles trentenaires aigries. Ne la gâche pas, Rosie. J'espère que les chocolats au piment te plairont. Bon anniversaire, Di. Joyeux anniversaire. Tu ne fais pas tes 100 ans, Maria. Let's go! Let's go, Troyana! Let's go, la vérité de Anna. Ok, bon. Moi, je voulais un mot de passe, moi. Dire quoi? Cellule. Ok. Putain, moi, je voulais un mot de passe, moi. Je voulais un truc pour rentrer sur le... Mais... Et pas le nom de la femme de quelqu'un, okay. Ou... Allons-y. Casier. Et on peut prendre la clé du casier de Denise. Ouais, c'est fermé. Un téléphone qui sonne. Quelqu'un a son téléphone là-dedans. Et ça a pas fait coffrer Dan un jour quand il fumait de l'herbe derrière le magasin? Si, mais... Eh, c'est le casier de Dee la folle dingue? Oui. Eh, c'est la meilleure flic de Delos Crossing. Après Eddie, bien sûr. Il nous faut la clé. Autant pour moi. Je me demande ce que la meilleure flic de Delos Crossing garde dans son casier. Elle garde peut-être une autre clé. Je vais me faire prendre, 100%. On est en plein délit, là. Elle remarquera pas si on lui emprunte ça. Non. Tant qu'on met ça pile là où on l'a trouvé, ça devrait aller. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Quitte de... À défaut de pas pouvoir aller sur l'ordi et fouiller, eh ben on va fouiller dans le casier de Dee. Bonjour. On devrait vraiment pas être ici. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que t'en sais ? On pourrait trouver des infos sur cette nuit-là. T'as peut-être raison. Et Balto a réussi ? Balto. B-A-L-T-O. Et Balto a réussi ? Balto. Donc Wilson laisse sa clé de casier sur son bureau et son mot de passe dans le casier? C'est vraiment irresponsable. Avec ça, n'importe qui pourrait accéder à toutes sortes de fichiers de la police. Ouais, c'est vrai. Ouais. Comme les deux intrus gobelins, par exemple. Mot de passe, gagnant pour mes 20 ans. What? Gagnant pour mes 20 ans. Oh, il y avait un fichier... Il y avait un truc sur son bureau avec, avec des dates de son chien quand il a gagné des concours. Donc quand il était gagnant pour ses 20 ans, et ben, je sais pas. On va regarder le fichier après. Ok, vas-y, ferme le casier là. On revient plus ici. Tu fermes bien comme il faut. Classement en ligue. Chaud de l'article 20.
Petite amie des Mushers. Et regardez le fichier là. On peut reposer la clé tout de suite. Comme ça on est tranquille. Vas-y, repose la clé. Eh, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Voilà. Elle est où la salle de repos ? On va y aller, Tyler, t'inquiète, je regarde juste un truc. Voilà. Là, en face, là. Ça, ce truc-là. Je devrais l'emmener boire un verre pour son anniversaire. Ça, là. Putain, c'était quand ? Pour ses 20 ans, elle a 30 ans, je crois, c'est ça ? Elle a eu 30 ans, et on est en quoi ? On est en quelle année ? Mitch faisait Robert, Dan, nanana. Jeff Roberts. Mitch. Ah, on peut essayer. Regarde les trucs avec 5 lettres. On peut essayer Mitch. Lance. Dallas. Non, pas du tout. Mitch Lance. Après, c'est peut-être le nom de famille. Ou c'est le nom du chien. Les noms de chiens, c'est que les trucs à 5 lettres. Putain. Si c'est 30, si elle a 30 là en 2014, peut-être. Je sais même pas en quelle année on est. Je sais plus en quelle année on est. Parce que si on est en 2014, parce que c'est l'année d'après. Du coup, en 2004. Trade. Trade, Salem. Larry. Reed, Salem, Larry. Reed, Salem, Larry. Reed, Salem, Larry. On va essayer vite fait. Reed. Fais chier. Salem. Bingo. Oh, c'est ça. Oh putain. Oh putain. Des trucs croustillants. Des chips. Des mails de boulot de Denise. Merci pour votre commande. Votre exemplaire de Juste Entre Nous, l'intégrale de la saison 2, a été envoyé. Oh, Sam. Y'a rien. Quoi ? Il s'est fait arrêter pour ivresse sur la voie publique la semaine dernière. Et c'est pas la première fois. Je crois qu'il traverse une mauvaise passe. Bon allez, petit café. On n'a rien appris. Est-ce que ça va ? J'ai un peu la nausée, c'est tout. Eh, hey, j'ai bien envie de ce petit café, moi. Allez, tu crois qu'ils m'en voudront si j'en prends un ? C'est quoi ? C'est les mêmes cookies que la semaine dernière. Tu peux te concentrer ? C'est effectivement les cookies de la semaine dernière, mais fais-toi plaisir. Ah, oh, j'ai vraiment la dalle. Oh, petit jeu de fléchette, là. Café ! Il est encore chaud ? T'es sûr de vouloir un café aussi tard ? Tu vas pas dormir. Je pense pas que je vais réussir à dormir, de toute façon. J'ai trop de choses en tête. Ces canapés pleins de poussière vont pas aider. Hé, hey, ça va ? Ah, pareil, la même. Des cookies maison, là. Oh mmh. Avec des grosses pépites de chocolat et des noisettes. J'y arriverai pas. Calme-toi, Allison. On fait comme on a dit. Allez, faut pas que tu paniques. Je peux pas mentir. On a déjà menti.
Tout va bien se passer, d'accord ? Est-ce que ça va ? Franchement, non. Ça t'arrive de regretter ? Non, jamais de la vie. Enfin, peut-être une fois ou deux au début, mais aujourd'hui, pas du tout. Je veux dire, oui. Regarde où on en est. Regarde où j'en suis, moi. Oncle Eddie doit avoir fini maintenant. On devrait retourner le voir. Ça te dérange si j'entre dans cette pièce un instant ? T'es sûr ? Tout le monde parle de cookies. Putain, mais... Des bons cookies, là. Oh ! J'avoue. Ça y est, j'ai faim. Rue, mon petit Clément. C'est la première fois que je reviens ici depuis... cette nuit-là. Eddie était si mal à l'aise qu'il avait fait tomber le vase. Tiens. Assieds-toi. D'accord. Ah, bordel. Désolé. Ah, ils ont gardé ça ? Quoi ? C'est le vase. Ils ont recollé les morceaux. On peut plus regarder ça, du coup. Le chef Brown doit avoir terminé son coup de fil depuis le temps. Du coup, je crois que Brown nous attend. On devrait retourner dans son bureau. Et le petit café ? T'as pas bu ton café, si ? Oh ! Tiens, c'est quoi ça, au fond ? Autre mignon ! J'y crois pas. Alors c'est là que tu te cachais depuis tout ce temps ? Le roi de glace. Let's go. On a trouvé le roi de glace. Petite figurine. Bon ben, on y retourne, hein. Ah, on peut déplacer ça, comme ça, ça nous ouvre la voie. C'est bien plus lourd que ce que je pensais. Il y avait un souvenir, là. Il est où ? Ah ! Pourquoi vous nous avez séparés ? Est-ce qu'Oli va bien ? Tout va bien, ma chérie. Oli boit un chocolat chaud à côté. Tout va bien se passer. Il faut que je te pose quelques questions maintenant. Tu viens avec moi ? Ok. Ça se concrétise un peu, on apprend beaucoup plus de choses. Désolée. J'essaie de gérer, mais c'est trop. Regarde-moi ce chef-d'œuvre. C'est toi qui as fait ça ? Ouais. J'ai collé ça sur le pot un jour où je m'ennuyais, et personne s'est donné la peine de l'enlever. Bon, il n'y a pas tout qui est traduit. Et c'est le plus important, il est traduit. C'est trop bien, c'est cool. C'est déjà bien. Et puis il va peut-être y avoir du progrès après, il va peut-être y avoir des mises à jour et tout, c'est cool en vrai. Les liens des chaînes, il faut être partenaire YouTube et je suis pas avec la chaîne de la vanne. Du coup, j'ai épinglé le commentaire et changé les remerciements. Tu peux pas mettre de lien dans la description ? C'est ça que t'es en train de me dire ? Faut pas être partenaire YouTube pour mettre des liens dans la description. Ah ouais ? Je regarde ça. J'ai toujours... Ah ouais ? Putain la vache, je savais pas. Partenaire ? Je suis en train de réfléchir si j'ai déjà mis des liens dans ma description. Je suis pas sûr. Ça me le marque. Hey, ah ouais, bah tu désolé, vois, je savais pas. Des fois, les petits vieux nous appellent juste parce qu'ils se sentent... un peu seuls. Pas de problème. Hey, tu te rappelles de lui ? Ouais, bien sûr.
Comment l'oublier? Tyler Ronan. De retour à Delos Crossing. Ça fait plaisir d'être ici. Regardez-moi ça. T'es un adulte maintenant. Ouais, j'ai bien mangé ma soupe. Tout le clan est si fier de toi. Et de ton travail avec les jeunes de Fireweed. Je dis toujours, les enfants, c'est l'avenir. Je croyais que c'était de Whitney Houston. Comment ça? Attends, elle m'a piqué toutes mes idées. Tout le monde sait ça. Regardez-vous. C'est bon de vous retrouver. Ouais, je sais pas comment j'ai fait sans cette andouille. Écoute, Eddie, on n'est pas juste venu dire bonjour. On a trouvé un truc dans la chambre de Marianne. Il y a des choses qui tournent pas rond, du coup, on a des questions à poser. Ah ouais? À quoi on ressemblait? Comment ça? Est-ce que tu sais s'il y avait quelque chose qui la tracassait à propos de nous? À propos de Tyler en particulier? Non. Elle gérait ce genre de problème toute seule. Et elle nous gardait à distance. Ah, je vois. Je peux vous dire une chose. Votre mère... Elle a jamais rejeté quelqu'un... parce qu'il sortait du rang. En général, c'était plutôt l'inverse. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du comportement qu'elle avait les jours précédents, ce jour-là? Le moindre indice? Non. Tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils s'y attendaient pas. Et toi, tu l'avais vu? Genre, les quelques jours qui ont précédé? Non. Je l'avais pas vu depuis plusieurs semaines. Voire un mois, peut-être. Merci, oncle Eddie. Si vous voulez mon avis, c'est jamais bon de remuer les vieux souvenirs. C'est pas comme si on avait le choix. On a toujours le choix, fiston. C'est parfois difficile de s'en rendre compte, mais c'est le cas. Est-ce qu'on pourrait regarder son dossier? Il y a peut-être quelque chose que t'aurais pas vu. Son dossier? Le dossier d'enquête. Le fichier de police, je sais pas comment vous l'appelez. Ils sont conservés, pour toujours, non? Oui, c'est le cas. Mais je peux pas vous le sortir, là, comme ça. Il y a des procédures. Mais c'est toi le chef. Et c'est justement ce qui me pousse encore plus à suivre la procédure, mon garçon. Bon, chef Brown, tu vas nous aider? Ou t'as décidé de jouer au... Tyler! Non, ça va. Tyler, je sais que tu m'en veux, mais Fireweed, c'était le meilleur endroit que j'ai pu te trouver. Mais c'est pas pour Fireweed que je t'en veux. J'ai peut-être juste un peu les boules que tu m'es éloigné de ma sœur pendant cette putain d'année. Alors c'est pour ça. Écoute, c'est le tribunal qui l'a recommandé. C'est des spécialistes. Je m'en suis tenu à ça. Ouais, ça j'ai vu. Crois-moi, fiston. Pour nous, ce qui s'est passé cette nuit, c'était de la légitime défense. Mais comment en être sûr? Non mais j'arrive pas à y croire. Écoute, on pouvait pas en être certain, ok? Je voulais vous protéger tous les deux. Alors t'en es toujours pas certain? Quoi? Sérieusement, tu crois toujours que nous séparer était ce qu'il y avait de mieux à faire? Elle était sous le choc! On avait besoin l'un de l'autre pour s'en sortir. Et tu nous en as empêchés. Alors pourquoi t'as refusé que ta sœur vienne te voir quand t'as eu 18 ans? Eddie, hein? Je t'en prie. Ça suffit. Elle ne te dira jamais combien ça l'a blessée. Pourtant, c'est le cas. C'était à propos de moi. Rien à voir avec elle. Elle le sait très bien. Et 3 ans, c'est rien comparé à 7. Pas vrai, Ali? Tu sais, Eddie, le fait de nous avoir séparés m'a pas aidé à m'en sortir. Et c'était même plutôt l'inverse. Même s'il avait représenté un danger, j'aurais pris le risque. C'était un crève-cœur de plus voir. Je savais pas que tu l'avais mal vécu, mon petit élan. C'était difficile de t'en parler. Je voulais pas paraître ingrate. Écoute, on s'est tous plantés. On s'est tous fait du mal. Mais c'est le principe d'une famille, non? On pourrait pas aller de l'avant? Oui, je crois que t'as raison. Il y a des fois, je me demande qui a élevé qui. Eddie, on dort dans l'ancienne maison ce soir. Il faut qu'on y aille. Vous voulez manger un bout avant? C'est pour moi. Je voudrais pas que vous y alliez le ventre vide. Ça se refuse pas. Ok, allons-y.
colère. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ? C'est quoi ce truc ? Ça va se transformer en film, en jeu d'horreur ou quoi là ? Putain. Le chasseur fou. Ah, c'est le chasseur fou. Sensei. Je vais te tuer. Mais qu'est-ce que c'est ? S'il te plaît, arrête. Maman. Maman. Non. Maman, je t'en prie. Non, ne fais pas ça. Non. Oh. Oh, c'est elle. Fin de l'épisode 1, c'est ça ? Oh, bordel. Ok. Il est quelle heure ? Il est bientôt 22h. Parfait. Mais dis donc ? Elle avait quoi, la mère ? La mère, elle a quoi ? Parce que la mère, quand Tyler la surprend dans le cabanon, elle veut pas le buter en fait, elle est apeurée, elle est en mode « Merde, putain, il me surprend avec un flingue, quoi. » Oui, il y a des barges, mais pourquoi, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle était pas comme ça quelques mois avant, quoi, quelques semaines avant. Il s'est passé un truc dans le mois, un mois avant, il s'est passé un truc 5 mois avant. Il s'est passé un truc 5 mois avant. Tyler et Allison. Et puis là on vient d'apprendre que c'est pas... Peut-être schizophrénie, peut-être. Peut-être. Elle a un pet au casque, ça arrive. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que ? Les fous, ils sont pas fous juste parce que boum, tac, d'un coup. Il s'est passé des trucs. Il y a des conséquences, il y a des choses. C'est les conséquences de quelque chose. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Là, il y a 3 épisodes, hein, je vous le rappelle, dans cette série de jeux, il y a 3 épisodes. Et on apprend aussi, super important, c'est pas Tyler qui a tué sa mère, c'est Allison qui a tué la mère. C'est Allison qui a tué sa mère parce qu'elle pensait que sa mère allait tuer Tyler. Du coup, c'est Allison qui a potentiellement sauvé la vie de son frère. Et Tyler, pour protéger sa sœur, dit
que c'est lui qui l'a tué. C'est fou. Et tout ce temps, jusqu'à maintenant, il a endossé le truc de, bah, même encore aujourd'hui, parce que du coup, c'est pas avoué encore, qu'il a tué sa mère, alors que c'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a tué. C'est fou. Allison était heureuse que Tyler accepte la main tendue d'Eddie. Parfait. Allison était heureuse de résoudre l'énigme de la princesse avec son frère. Let's go. Comme 80% des joueurs. Tyler s'est senti méprisé par le manque de confiance d'Allison au magasin. Ok. Tyler s'est senti rassuré par son lien avec Allison quand elle a pris son parti au commissariat. Parfait. Tyler a gagné le respect de Sam. Let's go. Tessa a refusé de parler de Marianne aux jumeaux. Ah merde. Ah merde, on fait partie de la minorité. Ah non, il y a 24% des joueurs qui n'ont pas obtenu de réponse. Nous, on a été rejetés. Oh putain ! On peut apprendre la vérité avec Tessa ! On peut apprendre la vérité. Nous, on a été rejetés. Eddie s'est senti rejeté par Allison quand elle a refusé de prendre son parti. Bah ouais, oui. Mais peut-être qu'elle a eu une maladie qui l'a frappée d'un coup. Elle est devenue folle. Ouais, peut-être. Peut-être. Mais qu'est-ce que c'est ? Toujours. Pareil, c'est une conséquence de quelque chose. Et on veut savoir ce quelque chose. Bon, là, ça va nous faire prendre le deuxième épisode ? Non. Mesdames et messieurs, le deuxième épisode, ce sera pour mercredi soir. Et ouais. Et ouais, un peu de suspense. Un peu de suspense. Il est 22h05. C'est l'heure d'aller se coucher. On arrête les conneries. Là. Oula. C'est l'heure de React encore. Ah ouais, vous voulez faire du React ? L'obusite ? Qu'est-ce qu'il dit ? C'est quoi ça ? Affection psychologique consécutive à l'expérience du bombardement. Ah ouais. Maladie nerveuse due à un excès de stress et de peur se manifeste par des tremblements. Ah, c'est le trauma du bombardement, quoi. Regarde Didi et TMP, tu comprendras. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça. C'est vrai qu'il y a ça. Alors. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je l'aime bien cette musique là. Alors il y a Lilou. Regardez. Lilou monte là. Et regardez ce qu'elle m'a apporté. C'est un emballage de surimi. Elle joue avec. Et elle me le ramène. En mode hey, regarde papa ce que j'ai trouvé. Regarde, papa, je te le ramène. Pipou, pipou, pip. Pipou, 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 pip. Non, tu veux pas y aller ? Bon, bah reste là, alors. Chaussettes ? Pourquoi ? Pourquoi point d'exclamation chaussettes ? Tremblement, psychose. En mode berserk, ouais, je vois ça, ouais. Voilà. Chaussettes. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme son pour chaussettes ? Pardon. C'est ça, faut qu'on parle. C'est tout. Alors ça, ces petits hoquets, okay, là, ces petits hoquets, okay, si vous vivez avec moi tous les jours ou le jour où on se voit, où on se fait un live pendant 48 heures, voire plus, ça, j'en ai souvent. Hein. Quand je bois un petit peu trop, j'en ai juste un ou deux. J'ai pas des hoquets okay longtemps. C'est juste un petit hip. Un petit... Bon, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Général. Mickey, d'accord. Mickey, à qui peur ?
Putain. C'est ça, faire une emote de ça, ce serait parfait. Ok. Et ensuite, les MP. Alors, les MP, je vais pas vous les montrer, attention, parce que... Elle m'a envoyé une dick pic, là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Un truc à télécharger. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est tout. Il m'a envoyé que ça. Il m'a envoyé juste ça. Voilà, c'est tout. J'en peux plus de lui. J'en peux plus de ce gars. I need. L'emote à keeper. L'emote à keeper, vous aimez bien? En vrai, elle est bien. En vrai, c'est pas mal. Tu disais la mettre, donc bon, je te l'ai passé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a la musique derrière. Je pense que je prendrai le clip. La petite emote à keeper, ça vous tente? Ah putain, il y a ça là, c'est dommage. Ouais, quoique ça peut se retoucher, ça. Ça peut se retoucher. Ça peut s'enlever. Cette gueule. Putain, mais... La sonde d'alerte bubble tea. Genre juste bubble. Point d'exclamation bubble. Vous voulez qu'on la fasse en 2-2? Allez, on va la faire. On va la faire. Vous avez gagné. Vous avez gagné. On va se faire la petite sonde d'alerte bubble. Bubble ou bubble tea? Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une sonde d'alerte en live. Ah oui, merde. Mais j'avais pas pensé avec la musique. Je sais pas si c'est vraiment dérangeant, on va voir. Comme ça, je vois aussi. Ah, alors, on verra pas, mais je peux expliquer pour trois, il y en a. Alors déjà, je crée un son. Donc il faut... Là, je suis en train d'ouvrir mon logiciel de montage. Je vais extraire le son de la vidéo. Comme ça, je vais faire un fichier MP3, en fait. Le principe, c'est d'avoir un fichier MP3 dans mes dossiers. Donc là, je récupère... Tac. Et en fait... Alors, attendez. Comment ça marche déjà? Détacher l'audio. Bam. Bam. Ok. Donc là, je crée juste un fichier audio. Hein. C'est pas de... Parce qu'en fait, j'ai dit à Troyana que je lui montrerais comment faire les sons. Parce que Troyana, pour ceux qui ne le savent pas, elle fait des lives. Hein. Elle fait des lives et elle aimerait bien utiliser des sons. Et moi, il y a plein de façons différentes d'avoir des sons, de jouer des sons en live. Mais moi, c'est comme ça que je fais. En gros, j'utilise Streamlabs Chatbot. Tu montreras jeudi, t'inquiète. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je te montrerai quoi qu'il arrive jeudi. Et j'utilise un bot, c'est un logiciel que j'ouvre à chaque fois que je fais des lives. Putain, j'ai des poils de chat. Et en gros, c'est des commandes. C'est des commandes. Et il y a des commandes qui trigger un fichier MP3 qui est dans mon PC. Et voilà. Mais je te montrerai tout ça jeudi soir, très bien. Enfin, jeudi fin d'après-midi. Sound d'alerte, exporté. Bam, let's go. J'aime beaucoup cette musique. Ah mais tu live? Eh oui, Troyana live, bien sûr. C'est une grande streameuse. Allez suivre Troyana, abonnez-vous. Comme ça, elle deviendra super connue. Elle aura plein de followers et plein d'abonnés. Et comme ça, elle pourra faire de la pub pour moi, j'en ai. Putain, à chaque fois, je me gourre.
Bam. Allez suivre cette magnifique streameuse. Tac, alors pardon, parce que moi je m'égare. Soundfile, bam, bam, bubble tea. C'est où les sons? Je suis là, hein. Je suis là, vous inquiétez pas, votre streamer préféré arrive. Parfait. Voilà. C'est prêt pour la décadence. C'est bon, je les follow. Comme ça, si je suis dispo pour ton prochain live, je viendrai te voir. Eh oui. Allez, donner de la force à Troyana. Oh là là, c'est la décadence. La commande est prête, hein. Maintenant, faut trouver la commande, quoi. Maintenant, faut trouver la commande. C'est vous qui gérez ça. L'obusite. Putain, je connaissais pas l'obusite. Je ne sais pas le terme. Je connaissais la chose, le trauma, tout ça, mais je connaissais pas le terme. Point d'exclamation bubble. Voilà. Point d'exclamation T. Exclamation bubble tea. Ah mais vendredi, je suis Paula. J'ai un trek week en moto. Un trek week-end moto. Trop bien. Bah bon trek, hein. Bon trek, et puis si jamais ça s'annule, bah on aura peut-être l'occasion de te voir vendredi. Moi vendredi soir, alors quand tu dis vendredi, c'est vendredi soir, j'imagine, Troyana. Moi vendredi soir, je ne serai pas là. Vendredi soir, on a blind test. Et on a déjà eu blind test il n'y a pas longtemps. Et du coup, là, le blind test de ce mois-ci, du mois de mai, eh ben c'est là, c'est le 12. Donc, les petits dinos, on force pour les petits dinos. Force aux petits dinos, voilà, tout simplement. Rien de plus. On va gagner par le pouvoir de l'amitié et le pouvoir de nos connaissances musicales aussi. Tac. Attendez. Je prépare un truc. Je prépare ça. Voilà. Mesdames et messieurs. Planning. Petit point sur les plannings avant de se quitter. Oui. Exactement, mon petit Clem. Merci beaucoup. Exactement. On en parlera après. Mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, je suis en live tout le week-end. Et oui, ce week-end, bêta Diablo ouverte. Du coup, Troyana sera en live sur Diablo 4. Donc, let's go. Let's go, c'est sa veine. C'est sa niche. Donc, c'est à ce moment-là où il faut être présent. C'est à ce moment-là où il faut être présent. Je pense que ce week-end, quoi qu'il en soit... Je me poserai en lurk. Je me poserai en lurk. Donc, sache une chose. Si tu ne me vois pas sur le live parler, je serai là quoi qu'il arrive en lurk. Ça, c'est sûr. Mon sang, exactement. Donc je serai là en lurk quoi qu'il arrive parce que c'est à ce moment-là... Il faut lui apporter... J'ai envie de lui apporter de la force. Mais là où c'est important de lui apporter de la force, c'est là, à ce moment-là. Quoi. C'est vraiment... c'est sa veine. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, lundi, 20h-22h, c'est le live que vous venez de voir. Magnifique, c'est gentil, c'est normal, ça me fait plaisir. Mercredi, 20h-22h, le prochain live, ce sera mercredi.
mesdames et messieurs. Pour continuer l'aventure de Tell Me Why, voir ce qui se passe et attaquer l'épisode numéro 2, là. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir Aki grâce au Ko-fi. C'est vrai, ça. On en reparle après. Jeudi, 20h-22h, Dinosaur Fossil Hunter. Et samedi, 8h-13h, pour du Tezo. Merci beaucoup pour le lien Ko-fi, mon petit Clem. Lien Ko-fi, bien sûr, qui est disponible grâce à cette magnifique commande qui nous permet tout simplement de... si vous voulez faire des petits dons, c'est là-bas que ça se passe. Dans le sens où, si vous faites des dons ou des abonnements sur Twitch, c'est très gentil, ça soutient la chaîne et c'est super, merci beaucoup. Mais le ratio de ce que je gagne par rapport à ce que vous donnez, il est faible. Alors que sur Ko-fi, vous donnez 20 balles, et ben la chaîne Akiracham touche 20 balles. Voilà. Et donc, ce qui nous permet de faire évoluer la chaîne dans le futur pour pouvoir nous payer un deuxième PC ou plein d'autres choses. Tout simplement. Merci énormément pour les liens, les amis. Je ferai pareil, mais lui dire un coucou, même si c'est un jeu que je connais pas. C'est gentil, c'est très gentil de ta part. Mesdames et messieurs, aussi, voilà, ça, Clem, il en a parlé, mais autant le mettre comme ça aussi. Le 27 mai, anniversaire chez Akiracham pour son affiliation, des subgifts. Soyez au rendez-vous. On va faire des gâteaux, on va danser, on va peut-être chanter, c'est pas sûr, on va faire des quiz. Ça va être trop bien. Le 27 mai, notez-le. Parfait. Voilà. J'adore cette musique. J'adore la musique de fond, là. J'adore cette musique, c'est un truc de fou. J'ai envie de la remettre, hein. Je vais la remettre, hein. Attention, hein. On va mettre celle-là, d'abord. Non, c'est laquelle que tout à l'heure on avait bien aimé. C'est celle-là. Celle-là. Celle-là est très jolie. Très très jolie. Tu peux pas le lier avec l'annonce de Clem, le clip ? Comment ça ? Genre quand Clem il fait une annonce, ça lance le clip ? Non. Si c'est ça que tu parles, non. Ça va être un enfer. Si c'est ça que tu parles, ça va être un enfer. Si c'est ça que tu parles, ça va être un enfer, ça va le lancer à chaque fois. Et je préfère avoir la main dessus et le lancer quand j'en ai envie, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on peut raise quelqu'un ce soir ou pas? C'est vrai qu'elle est bien cette musique aussi. Ouais, j'ai envie d'un peu de changement au niveau des musiques. J'ai envie de renouveau un petit peu. Je pensais aussi à notre anniversaire d'affiliation. Pourquoi pas l'occasion pour changer 2-3 trucs. Le lien du clip, je parle, et non pas lancer la vidéo. Ah ben ça, le lien du clip, il peut le partager comme il veut. Tu peux pas faire en sorte que uniquement les modos le fassent en mode commande spéciale. Et juste avant, taper écouter une FX au début de live. C'est vrai. Je sais pas. Parce qu'en vrai, j'ai pas envie de lancer que le clip, tu vois. Des fois, j'ai envie d'en parler aussi. Quand je l'annonce, j'ai pas envie de que lancer le clip, que j'ai envie d'en parler un peu. Même si le clip, il est cool, en vrai. C'est cool. C'est cool. Le 27 mai. Chez Akiracham pour son... Le 27 mai. Faut que je me fasse juste cette commande-là. Que je me mette en raccourci... sur mon Stream Deck, et quand j'appuie sur le bouton, ça fait... Le 27 mai. C'est tout.
Le 27 mai. Après, il y a plein de plugins, il y a plein de trucs qu'on peut installer peut-être pour le faire, mais je sais pas. Je ne sais pas, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, j'ai personne à raid. J'ai personne à raid. Y a des gens qui font du Tell Me Why, mais si vous allez sur du Tell Me Why, vous allez vous faire spoiler. Ah ! On est parti sur les musiques de The Witcher. C'est laquelle que j'aimais bien, moi ? C'est celle... Non, c'est laquelle que j'aimais bien et que je disais « Ouais, je l'aime bien. » C'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'est NFX. Je veux pas NFX. Pas que j'aime pas NFX, hein, au contraire, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est laquelle ? Ah, c'est celle-là. Pas celle-là. Celle d'avant. Voilà. Ça, j'aime bien. Ah oui, les musiques de The Witcher, c'est la base, on est d'accord. Oh, je me suis mis à lire. Oh, les gens. Bon, j'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup lire. Mais là, en ce moment, je lis un livre que jamais j'aurais pensé lire. Le livre, il s'appelle Le Succubus. On est déjà, bon. Voilà, on est dedans, y a pas de souci. Y a pas de problème. Mais c'est un roman un peu à l'eau de rose, vous savez. Un peu à la Twilight, un peu de ce style, un peu, vous voyez. Et ça mêle mythologie et romance. J'ai lu en une semaine la moitié... Exactement. J'ai lu la moitié du livre en une semaine, alors que normalement, je mets du temps pour lire, hein, ou alors, voilà. Mais là, j'accroche bien, et j'ai mis une semaine pour lire la moitié. C'est un exploit pour moi, hein, c'est vraiment bien. Et je suis super content parce que l'histoire elle est trop cool, je prends mon temps, je lis et tout, j'ai les deux premiers tomes, je crois qu'il y en a 5 en tout, j'ai les deux premiers tomes à la maison, j'ai de quoi kiffer quoi. Exactement. Et du coup, vu que, parce que ça me fait penser à ça, c'est parce qu'en fait les musiques de The Witcher, ou les musiques un peu relax comme ça, je les mets en fond, et je me mets avec mon casque ou mes écouteurs intra-auriculaires, et let's go, je suis lancé sur la lecture, la voie lactée de la lecture. Et imperturbable le garçon. Et c'est trop bien. C'est trop bien. J'arrive à me concentrer sur ma lecture quand j'écoute une musique un peu comme ça. Et j'en écoute. Y en a une que j'écoute. Vous savez quoi ? Je vais la mettre. Même si c'est sûrement copyright, je vous balancerai quand même la chaîne. Je vous partagerai la chaîne dans le chat. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de raison... que je me sente pas bien au niveau de ma personne, mais j'adore ce qu'il fait. C'est un compositeur. Alors, un compositeur, je ne sais pas d'où d'ailleurs, je ne connais pas son nom, enfin je ne connais pas son lieu. C'est Ajolote Lunar. Je partage sa chaîne YouTube dans le chat et je vais juste vous faire écouter la musique, parce que j'aime beaucoup la musique classique, j'aime beaucoup tout style de musique, mais la musique classique, je sais pas, c'est quelque chose que j'adore. Et ce gars, c'est bon, écoutez-moi ça, s'il vous plaît, écoutez-moi ça, j'espère que vous allez bien entendre. J'écoute ça quand je lis. Je vous jure, ça me met tellement dedans, c'est trop bien.
Ah ouais, c'est une ambiance de fou. Et il fait beaucoup de musique comme ça. Je vais pas vous faire écouter le reste, mais j'adore. J'adore. J'adore, j'adore. Eh ben, allez regarder sa chaîne, je vous ai partagé la chaîne dans le chat. Allez regarder sa chaîne et écouter un petit peu ses musiques si vous aimez bien. Mais moi je mets ça et ça me plonge dans la lecture, mais un truc de fou. Et même pour l'écriture, quand j'écris un petit peu, j'aime bien mettre ce genre de musique. Et j'en ai plein, j'ai plein de compositeurs comme ça que j'écoute. Et c'est trop bien. Ambiance JDR, c'est ça, c'est ça. Ah mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tout à fait. Ouais. Ça change de ça, mais... Après, moi, je suis très ouvert sur tout plein de styles de musique. J'aime beaucoup, voilà, j'écoute de tout. J'ai un penchant bien plus fort pour le rock metal, mais j'écoute de tout. Oui, c'est copyright, oui. Oui, c'est copyright, c'est sûr. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Il y a marqué « Alt-Right Reserved ». Donc la VOD, dommage, sera coupée. Le son sera coupé à ce moment-là. Bisous. On vous aime, ceux qui ont pas le son. On vous aime. Envoyez des cœurs, plein de cœurs pour les gens qui regardent la VOD et qui aiment bien la VOD. V-O-D. On t'aime. Cuisine sale. La cuisine sale, c'est un tube, ça. C'est un tube. Faudrait qu'on la reprenne. Faudrait qu'on la fasse. Là, je regarde si c'est possible de la faire en prenant les accords et tout. Faire un truc. Ce serait notre première chanson écrite. Hein. Mais tu sais que tu peux enlever ça? Oui. Ouais, je sais. Avec ton truc de stream. Les précisions. Les précisions de Troyana. Tu sais, avec le truc, là, du stream, là. Le machin là, tu peux l'enlever ça. Tu peux faire la piste 6. Effectivement, on peut faire la piste 6. Ce qu'on appelle la piste 6, c'est on dit au logiciel de stream ces pistes là, quand tu les mets sur la VOD, quand tu publies la VOD, tu l'enlèves. Donc en gros, c'est le son et la musique, enfin la musique là, que vous entendez par exemple, sur la VOD, bah, il n'y aura rien. Ou la piste 2, la piste que vous voulez, en fait. Hein. C'est, voilà. Mais ça demande des réglages et des logiciels et des machins. Aujourd'hui, je me prends pas la tête. Je préfère avoir de la musique free copyright et pas avoir de soucis et garder de la musique sur mes VOD. Parce que quelqu'un qui écoute la VOD, qui regarde la VOD, bah, il aura zéro musique. Il aura absolument rien. Et c'est dommage. Surtout quand on fait un peu de l'ambiance ou quoi, ou qu'on joue à un petit jeu vidéo où on s'ambiance et on met une petite musique de Jurassic Park, quoi, vous voyez. C'est dommage. Pourquoi? Parce que... Pourquoi il y a moins de soucis quand... Alors, attendez. Attendez. Le PC qui est en PLS. Pourquoi il y a moins de soucis quand on fait ça? C'est parce qu'en fait... aujourd'hui, les bots de Twitch ne vont pas sur les streams, en fait. Ils vont pas sur les lives en direct. Ils vont pas dire hey, ça c'est pas copié, ça c'est copyright, on strike. Non, ils analysent la musique et les sons sur les VOD, sur les rediffusions. Et si on enlève la musique des rediffusions, il y a pas de souci. Ouais, sans musique, je trouve que c'est un peu fade, c'est un peu sad comme tu dis aussi. C'est quand il y a un peu de musique, c'est cool, j'aime bien. Une petite musique d'ambiance, on se met dedans, quoi. J'aime bien. Après, bon, c'est pas des musiques les plus connues, vu que c'est des free copyright. Mais à force de les écouter, à force de les avoir, et puis on découvre des petits trucs sympas. Comme par exemple celle qu'on disait tout à l'heure, qui était plutôt cool. Donc voilà. Voilà. Il est quelle heure? Il est 22h22, waouh, quelqu'un pense à moi. Je suis en train de voir aussi pour écrire 2-3 trucs pour le 27 mai.
Je suis en train d'écrire, de voir un petit peu quelles questions je vais poser en quiz, ce genre de choses et tout. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas... Le 27 mai, anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation, des sub-gifts. Soyez au rendez-vous. On va faire des gâteaux, on va danser, on va peut-être chanter, c'est pas sûr. On va faire des quiz. Ça va être trop bien. Le 27 mai, notez-le. Salut Luigi. Comment ça va Luigi? Bienvenue. No copyright sound, exactement. Ça va très bien, merci. Ça va très très bien. Je suis désolé, t'arrives sur la fin du live. On était en train de débriefer un petit peu sur la vie, sur le live. On est en train de dire... voilà, bah, tiens, pour Luigi, il lui faut l'info. Il lui faut l'info. Il l'a pas l'info, il lui faut l'info. Le 27 mai. 27 mai. Anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation. Des sub-gifts. Attendez. Anniversaire chez Akira Cham pour son affiliation. Des sub-gifts. Soyez au rendez-vous. On va faire des gâteaux, on va danser. On va peut-être chanter, c'est pas sûr. On va faire des quiz. Ça va être trop bien. Le 27 mai. Notez-le. Quelle date? Attention, question surprise. Contrôle surprise, là. C'est quoi la date de... On va faire comme dans Koh-Lanta. Vous voulez gagner 2540 euros pour tous les mois et payer les vacances, payer votre pain, payer l'école de vos enfants et vos futurs projets. Répondez à cette question. C'est quoi la date? 27 mai. Ouais. Et du coup, je vous dois 2500 balles. Putain, merde. Demain soir, hein. C'est demain soir, Koh-Lanta. Le 27 mai. Ah, ça répond, là. Hein. Ah, ça répond, là. Donc oui, effectivement, le 27 mai, nous sommes en journée d'anniversaire d'affiliation, un petit peu en retard, mais toute la journée, exactement. On va faire la fête, on va faire plein de choses. Donc, toutes les heures, je vais faire gagner des sub-gifts. Et on fera... 2 ou 3 quiz selon le temps que durera le live. Et à chaque quiz, le gagnant remportera des sub-gifts aussi. Trop bien, lol. Tu veux mon numéro de compte pour les 2700. J'ai dit 2700 ou 2500? Bon, c'est pas à gratter, hein. 5% pour la chaîne de la vanne, exactement. Vas-y, envoie la thune, j'en ai besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. T'as dit 2 euros. Allez, on est d'accord, hein. Si c'est 2 euros, c'est bon. Je vous paye un sub-gift chacun. Mais non, ce sera quand? Les sub-gifts, ce sera quand? Ce sera quand? Attention, quiz. Attention, impro. Attention, le 27 mai, bien. 27. 27. C'est juste le 27. Juste... Non, même pas le 27, c'est 27. 27. Je veux pas pinailler 2500, c'est bien aussi. C'est vrai que c'est pas mal 2500. Juste 2500. T'as vu, on suit... Mais, hé. Hashtag le 27 mai. Oh ! Point d'exclamation le 27 mai. Point d'exclamation le 27 mai. Mais en fait, je vais changer ma date d'affiliation et je vais la mettre au 27 mai. Hein. Hashtag le 27 mai. Bon, exclamation 27 mai, bah oui. Vous êtes des bons élèves. Vous êtes très bons élèves. Je suis fier de vous avoir dans la communauté, hein. Vraiment. Je suis fier de faire partie intégrante de cette communauté qui est la vôtre, qui est la nôtre. The 27 of May. The 27 of May. T'as testé Hogwarts Legacy? Non. Malgré moi.
Non, je n'ai pas testé Hogwarts Legacy. J'ai suivi sur la chaîne de BB Pixel. BB Pixel, bien sûr, magnifique chaîne Twitch. J'ai suivi son aventure un petit peu sur Hogwarts Legacy. Mais je n'y ai pas joué. Parce que bah, ma bête là est pas assez puissante pour faire tourner le jeu plus le live. Et si j'y joue, j'aurais bien aimé y jouer en live. Mais peut-être dans le futur, peut-être, pourquoi pas. Ou peut-être en essayant de mettre une carte d'acquisition sur ce PC et en branchant le PC de BB Pixel dessus. Comme ça, je peux jouer à Hogwarts Legacy tout en streamant avec ce PC. Il faut pas lui dire ça. Twenty. Twenty-seven of my English sur 20. Ce son, c'est un enfer, hein. C'est un enfer, ce son. Mais il est trop bien. Il est trop bien, ce son. Vous avez des bonnes idées, quand même, hein. Vous avez des bonnes idées. En fait, c'est vous, hein. C'est vous qui faites le contenu de la chaîne, c'est pas moi, hein. C'est nous. On est une communauté, hein. On est un groupe, hein. On est les petits dinos, hein. C'est vous, là. C'est vous qui faites ça, hein. On essaye. JPP de son. Ah, mais il est trop bien, ce son, en vrai. ce son est trop bien. En vrai, la petite musique derrière, si c'est cool, ça donne un côté un peu rigolo, j'aime bien. C'est Eminem ou quoi ? Non, le ralenti, c'est trop long. En fait, je pense que les sons sur la chaîne, j'aime bien qu'ils soient assez courts. J'aime bien quand c'est court. Je préfère qu'ils soient un petit peu plus courts plutôt que longs. Parce que long, bah ça prend trop de temps, je sais pas. C'est pas... Alors que là, un petit... Ça va. C'est cool. Le y en a un qui est un peu long, c'est le Attack, par exemple. Je trouve un petit peu long. Ça marche, Troyana, pas de soucis. Le attaque, il est un petit peu long. Ouais, il est court, il est bien. Je m'absente 2 secondes et ça parle de long et court, ouais. En vrai, j'aime bien quand c'est long. Mais il y a des moments pour tout. Il y a des moments où quand c'est court, c'est plus plaisant, quoi. C'est plus bref, c'est plus impactant. Titre, exactement. M'en fous, c'est mon... Hey, l'encul ! Bort. Oh putain. Oh Bort. Oh l'orthographe de Bort. Oh mon dieu. Boyart. C'est Boyart. Effectivement, c'est Boyart. Après, c'est vrai qu'on s'en fout un peu, c'est Bort. Mais il y en a un qui était un petit peu long, qui m'agaçait un petit peu, c'était quoi ? Le SNCF. Voie 1, attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai. Celui-là, par exemple, il est un peu long, quoi. Prout, non, ça va, Prout, il est cool. Mais il y en a un qui était très long. Attendez, je vais vous le trouver. Il y en a un qui était long, un peu comme la SNCF. Enfin, SNCFF. Et que je... Nya. Ah, il y a le genou. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis, j'ai pris une flèche dans le genou. Elle est bien cette musique, hein. Le ouvou là, tu l'as remarqué, hein, Troyana. Hein. Tu l'as remarqué. Votre manque de foi me consterne. Tu l'as remarqué.
Attendez. Il y en a un qui était plus long encore. Et qui m'agaçait un petit peu. Bienvenue, bof, bonjour, bravo. Ah. Cependant, continuez. Ah ouais, celui-là, je l'adore, celui-là. Le train fantôme, je l'adore. Ceux qui ont la ref, je vous aime. Ceux qui ont la ref de ça, là, je vous aime. Vieux, wasabi, SNCF, saucisse, prout, oui. Ouch, non, merci, hello, continuez. Cependant. Ou alors c'était un son caché ? Ah ! Assis, bandé, Burke, bubble tea, bug, charisme, chais, ah, chais. Cochonne, coucou, coucou B. Coucou B, ça fait un peu coucou B, c'est chiant. Debout, décadence. Ah, le debout, il est trop bien. Le debout, c'est une pépite. Hein. Oh, enfant, énorme. Alerte à la cochonne ! Explosion, exterminate, fantôme, fesse, gênant, honteux, indignité, masque, merde, nani, orge, ph, rat, rire, s'en fout. Ah, c'est pas les petits dinos. Hein. Taille, oubou, valide, vomi, yaou, yamété. Putain, il y en a beaucoup. Nani! Allez les enfants. C'est pas les petits dinos. Hein. C'est vive les petits dinos. Je vous le donne. Je vous le donne, je suis gentil. Cette musique, elle est bien. Ou vous, là. Tenez, je vous la partage. Je vous la partage dans le chat. C'est vrai que t'étais pas si loin. Tenez. Alors avec le point d'exclamation, toujours. Tu vas y arriver, Troyana. On te le laisse. Eh non. Toujours pas. On va pas finir le live sans que Troyana ait réussi la commande. Hein. Presque, hein. Il te manque une lettre. Non, non, non. C'est pas les petits dinos, c'est les petits dinos. Mais il te manque une lettre. On va y arriver, hein. On va y arriver. Je vais pas me coucher si tant que vous l'avez pas. Hein. Non, il te manque toujours une lettre, Troyana. Oui! Ah. Énorme! Énorme! Moi aussi, je peux le faire. Énorme! Énorme! Bravo! Félicitations. Félicitations pour cela. Watata. Par les divins! Regardez la taille de cette chose! Il est rigolo. Dodson! Dodson est parmi nous! Dodson est là! Tout le monde s'en fout. Joli chapeau. Joli chapeau. Mesdames et messieurs, on va se quitter. J'ai pas envie de partir. J'ai envie de continuer jusqu'au bout de la nuit. Là. Mais non, faut être raisonnable. Parce que demain, il y a le travail. Après, il y a Koh-Lanta. Explosion! Après, il y a une explosion. Et après, on va se coucher tard. Après, on revient mercredi, il y a le travail. Et puis après, mercredi soir, il y a le live où on va encore discuter et partager plein de choses. Donc, on va aller se coucher. Mesdames et messieurs, il est temps de se dire au revoir, de se quitter. Malheureusement, toute bonne chose a une fin. Mais fesses, mais nous allons nous retrouver
mercredi soir à partir de 20h pour tout simplement du Tell Me Why et discuter avec la communauté, bien sûr. Ça, c'est une feature. Ouais, la porte, on va trouver. On va trouver la porte, on va trouver quelque chose. On va trouver quelque chose avec la porte, t'inquiète. Merci encore à Callan Shepard pour son follow. Merci énormément. Merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents sur le live. J'ai passé un super live. Vous êtes tout gentils. Vous avez été présents de fou. Merci beaucoup, vraiment. Ça m'a fait super plaisir. Je suis hype pour le 27 mai. C'est un truc de fou. Je suis hype pour le 27 mai. Ah, bon, bah, il était pour le bubble tea aussi, pourquoi pas. Tiens, un petit bubble tea, là, ça fait longtemps. J'ai vraiment hâte, pour le 27 mai, de partager tout ça avec vous et de faire la fête avec vous. Donc voilà, hâte, vraiment. Hâte de fêter la communauté des petits dinos tous ensemble. Mais d'ici là, il y aura d'autres lives. Allez, hop. Hop, espoir. Mais d'ici là, il y aura d'autres lives, bien évidemment. Je vais me remettre la musique là que j'aime bien, celle-là, bam, et puis on se remettra celle-là sur la fin. Plein de bisous, merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents sur le live. Je vous kiffe, vraiment, je vous embrasse fort. Merci pour tout l'amour que vous donnez au quotidien. On se dit à très vite, portez-vous bien, soyez chaque jour la meilleure version de vous-même, vraiment, parce que vous méritez d'être une bonne personne et de prendre connaissance et conscience de qui vous êtes et d'être heureux, tout simplement, avec tout l'amour que vous devez, que le monde vous doit et que vous devez au monde. Donc, et que vous vous devez, parce que vous vous devez de l'amour. Vous êtes des boules d'amour, vous êtes des bisounours, tous. Donc merci énormément, portez-vous bien, à bientôt dans la vie, je vous embrasse fort. C'était Aki. À bientôt dans la vie. Encore une fois, bisous, ciao, la bise, salut. Oh, ça me déconne là, Profitez de la musique et la bise. Le 27 mai. Ara, ara, mama. Le 27 mai. Le 27 mai. Alerte à la cochonne! Oui? Comme ça, ça me fait bander. Non. C'est honteux! Par les divins! Regardez la taille de cette chose! Quelle indignité! Coucou, tu veux voir ma bite? Ouh là là, c'est la décadence! Comme ça me fait bander. Le 27 mai. Le 27 mai. Oui. Le 27 mai. Merci de rien. Au revoir, messieurs-dames. Exterminate. Ah. Peggy 18. Ah, chez. Le 27 mai. Le 27 mai. La machine.
de cette poubelle. Ah! Coucou, tu veux voir ma bite? Alerte à la cochonne! Salut à vous, belle compagnie. Comme ça me fait bander. Explosion! Oulala, c'est la décadence! Le 27 mai,